Coucou tout le monde! Alors, je suis un peu à la bourre, excusez-moi. Coucou la Simset, coucou Maëlys, coucou Adèle, coucou Karine, coucou Doudou, coucou Team Panda, coucou Roman, coucou Aya, coucou Céleste, coucou Julien, coucou Juliette, coucou Lucie. Il y a mon Mac qui est en train de surchauffer juste à côté. J'étais en train de partager de partout. Je vais couper mon téléphone pour ne plus avoir aucune notification et être complètement avec vous. Coucou Fatia, comment tu vas? Coucou Chloé, coucou Clem. Ma voix elle part en caca, ouais, t'es pas dans le caca là. Coucou Anto, merci d'être là. Coucou Alix, Alexine, j'allais dire Alix. Coucou Kiwi, coucou Elena, coucou Emily, ça fait trop plaisir de te voir. Coucou tout le monde. Coucou Jaysa. C'est bon, mon ordi arrête de surchauffer là. Ok, c'est parfait, je suis en train de refaire un petit peu mon setup. J'ai essayé de me faire mon brushing, mais bon, j'ai pas trop bien réussi. Ça va bien et toi, Idou? Coucou tout le monde, vous êtes trop adorables. Vous avez passé un bon week-end? Ça va, Zaitia? Je viens juste en fait avant, c'est pour ça que j'avais un peu de retard, je viens juste de désinfecter la patte de mon chat. Parce qu'en fait, quand elle va dans sa litière, pour les personnes qui savent pas et qui me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre si vous avez Instagram, j'ai raconté un petit peu l'histoire. Mon chat s'est coupé un coussinet sur. Vous avez donc la paume et vous avez donc des coussinets là. Et enfin, c'est un coussinet aussi, mais bon, elle s'est coupée celui-ci et un petit bout de celui-là. Et en gros, ça fait bientôt une semaine, un peu moins d'une semaine. Donc j'arrête pas de la désinfecter, de tout faire et tout pour que ça cicatrise. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle va dans sa litière, eh ben, elle souvent, elle... Oh, le son est fort. Merci beaucoup Lola pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Souvent, elle se râpe ou alors elle garde des petits cailloux coincés et moi, je dois les enlever. Déjà, elle me gueule dessus. Elle fait... Maman, je suis pas contente, mais je dois enlever les cailloux, sinon ça cicatrise pas ma fille. Et donc, je lui enlève les petits cailloux, sauf qu'après ça se remet à saigner, je dois redésinfecter, c'est un peu relou, et là c'est ce qui s'est passé juste avant le live. Coucou Rikukai, comment tu vas? Moi ça va bien, ça va bien. Moi mon chat il m'a défoncé ce matin. Ah! Zut! Alors, qu'est-ce que t'as fait pour qu'il te défonce? Non, en vrai, Saïdjin, elle est adorable. Enfin, elle m'empêche juste de dormir à certaines heures de la nuit, c'est un peu relou, mais sinon tous les matins. On fait la matinée ouais, de 7 à 8-9 heures, ça dépend si je me lève tard ou pas. Elle dort ici, sur ma poitrine, avec les patounes comme ça. Et elle me regarde, on est tête face à face, et elle ronronne, elle est adorable. Oh, merci Anto d'avoir partagé mes liens. Comment tu vas? Bah ça va bien Adeline. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui? Oui, c'est une très bonne question Alicia, c'est vous qui allez décider encore une fois. Oh, c'est adorable Tilon, merci. Oh, petit chat, c'est pas évident. Ah, ouais. Non, mais là, la petite Saïdine, elle a eu que des bobos. Elle a été malade. Après, elle s'est blessée la patte. Ouais, franchement, ça va. C'était une semaine un peu chargée. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. C'est vrai que c'était pas facile, là, cette semaine. J'ai eu des trucs de ouf avec les... En fait, quand on est auto-entrepreneur, on a beaucoup d'administration à faire et nous-mêmes à gérer. Et il y a aussi plein de questions qui se posent quand on commence à bien vivre de son travail d'auto-entrepreneur. Merci beaucoup Zineb pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Et en fait, j'ai eu tellement de questions qui me sont venues en tête par rapport à des contrats, à des devis, à de la TVA, des choses comme ça. Et en fait, ça m'a tellement rendue stressée de ouf, j'ai appelé tout et n'importe quoi, enfin tout ce qui était possible. J'ai appelé les impôts, j'ai appelé l'URSSAF, j'ai appelé la douane, j'ai appelé plein de choses, j'ai appelé des experts comptables et tout pour tout savoir, parce que moi, quand j'ai une question en tête, je veux à tout prix avoir la réponse. Et je ne me laisse pas. Donc en fait, mercredi et jeudi, j'ai fait de 8h à 19h toute la journée de l'administratif. C'était horrible. Mais maintenant, ça va mieux. Je suis rassurée. Alors, rénove-nous. Ah, vous voulez qu'on fasse un rénove-nous? Ok, je note. Bah écoutez, attendez, je vais vous faire un petit sondage, comme d'habitude. Donc, il y en a qui proposent le Legacy Change, je vois. On fait quoi today? Vous m'entendez bien, dites-moi. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ça va bien et toi, Harmonie? Alors, on fait quoi today? Legacy Challenge. Perfect Life, ça fait longtemps. Perfect Life. Rénove-nous conju. Bah, rénove-nous conju, c'est pas facile, hein, mais bon. Rénove-nous conju, je vais quand même le noter. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ugly to Beauty, appart, rénovation, nouveau change, construction, pièce aléatoire. Eh ben écoutez, je vais vous mettre Ugly to Beauty, vous êtes beaucoup à le proposer. Hop. Et on va voir ce qui va gagner. Ah non, non, pas de mise à jour du Mac maintenant, hein, je suis en live, hein. Hop, 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 tu me reportes ça. On peut faire un truc en l'honneur à l'acteur de Hagrid. Pourquoi il est mort? Non. Il est mort? Attends, attends, pourquoi tu dis en l'honneur de l'acteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Barbie. Ah, j'ai pas mis Barbie. Coucou Marion, comment tu vas?
Bonjour, j'espère ne pas être trop en retard, je viens de rentrer. Comment tu vas? Oh, t'es pas du tout en retard, c'est le début du live. On démarre tout juste là. Coucou Lolotte, t'as rien loupé. Bonjour Mélanie, ça fait trop plaisir de te voir. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Oui, vous m'entendez bien? Et oui, ah oui, il est mort! Oh non! Il est mort quand? Il est mort hier? Oh. Moi, j'aimais trop cet acteur. Coucou Conju, je voulais juste te remercier pour ce que tu fais car tes vidéos me font vraiment du bien dans cette période très compliquée pour moi. Surtout tes lives super chill. Et bah ça me fait plaisir Adèle si je peux te donner un petit peu de positive attitude. Ça me fait plaisir. Oh là là, c'est horrible. Bah malheureusement c'est ça la vie. Hein. C'est plus on vieillit, plus on a de chances de mourir. Hein. C'est génial. Mais bon, ne parlons pas de mort. Nous sommes ici pour passer du bon temps. Alors évitons de parler de mort. On va éviter. Ouais, j'ai vu Miley. Pièce aléatoire. Oh, ça fait longtemps. C'est vrai, la surprise. J'ai un de mes modérateurs, Anto, qui nous a fait une surprise qu'on doit regarder en live. Donc écoutez, je pense qu'on va regarder sa surprise en premier. Et après ce qui a gagné le sondage, on fera ça, d'accord? Parce que la surprise ne va pas durer très longtemps. Fanny, coucou, salut Conjureux, j'ai commencé ton challenge Little Valley juste au top. Ah, trop cool! Tu kiffes? Ça te fait plaisir? Moi, je suis trop à fond, hein. Là, dans mon Little Valley, je suis à donf. Au fait, as-tu installé le mode pour les envies? Je crois que oui. Si je me trompe pas. Et tu me poses une colle là, je suis pas sûre, attends. Je crois que si, hein. Faudra que je vérifie normalement. Normalement, je l'ai DL. Si je me trompe pas. Coucou Violette, ne spam pas Violette, je t'ai vu. Merci beaucoup Delphine. Bah écoute, en fait, j'ai acheté ces colliers hier. Je me suis fait un plaisir. J'ai passé le samedi avec mes parents et on est allé à Bourgoin-Jallieu, à Tabora. Et ça, c'est de l'acier. Non, ça, c'est de l'acier ou c'est de l'argent, ça? Non, c'est de l'argent doré. C'est pas de l'acier. C'est de l'argent doré parce qu'en fait, moi, je veux plus les couleurs argent. J'en ai marre. Je veux plus de bijoux en argent. J'ai envie d'avoir des trucs dorés. J'adore le doré. Voilà. Donc, j'ai acheté ça avec des sortes des imitations perles. Hein. C'est pas des vraies perles de culture. Enfin, je crois pas. Et avec du zirconium, et j'ai acheté un bracelet qui va avec, mais je suis incapable de le mettre toute seule, donc je l'ai pas mis. J'ai trop le seum, je suis pas capable de le mettre toute seule, j'ai essayé, j'arrive pas. Et sinon, j'ai acheté bah, ces boucles d'oreilles-là, en or, parce que je peux mettre que de l'or, sinon je fais des infections. Voilà, donc ça c'est un peu relou. Bon, c'est pas du diamant, hein, c'est du zirconium, hein, je vais pas porter du diamant, j'ai pas non plus... je suis pas riche, quoi. C'est quoi Perfect Life? C'est un challenge inventé par mon ami Moon, qu'on a commencé, on a déjà fait 2 épisodes. Merci, c'est gentil. Donc voilà, ça m'a coûté. Alors, ce collier-là, plus celui-là, plus le bracelet, ça m'a coûté, je crois, 100 euros, les trois. Donc la parure, donc c'est de l'argent, hein, c'est du vrai argent doré, avec du zirconium et les boucles d'oreilles. Et j'ai acheté une bague aussi, une bague en or. Ça m'a coûté aussi un petit pactole. Voilà, j'ai dépensé presque 300 euros. Je me suis fait plaisir, je me suis dit, écoute, je ne m'étais pas acheté de vrais bijoux. Depuis plus de 3 ans, j'ai fait go. Je me fais un petit kiff, on est allé dans un endroit super beau. Salut du Québec! Oh, ça fait plaisir, coucou! Je participe au concours Instant Gaming. J'ai pas fait de concours Instant Gaming. Ah bon, à ce point, Violette? J'ai pas le sondage. Si t'as pas le sondage, n'hésite pas à refresh. Coucou à BTS K-Pop Dance. C'est quoi la surprise? Aucune idée. C'est une surprise, donc je ne sais pas, Adèle. On va voir ça, c'est un de mes modos qui nous a fait une surprise. Je crois que les Sims 5 vont sortir, je sais pas du tout, Alexandra. D'ailleurs, je vous en informe, je sais pas si je vous en avais déjà informé. Mardi 18, donc dans 2 jours. Oh, merci beaucoup pour tes 2 euros, Ishiami, merci beaucoup. Aïe, petit cœur coréen, merci, merci. Donc, mardi 18, on se retrouve en live à 18h45, je pense, ou 40, ça va dépendre. Parce que y a un live des Sims à 19h. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble le live. Et on va pouvoir le commenter, on va pouvoir... Voilà, en parler ensemble, quoi. Donc comme ça, moi, je vais regarder et réagir au live avec vous. Donc vous allez avoir le live des Sims plus moi. Et donc on va réagir tous ensemble. Et en plus, j'aurai des codes à vous faire gagner pour différents packs. Packs de jeux et kits d'objets. Voilà, donc soyez là, si vous voulez les gagner. Y aura des codes à gagner pour le live de mardi. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue Awa. Merci, merci. Pourquoi tu live à 17h? Bah en fait j'avais envie de retenter En fait, comment dire? La première année de live, j'ai live à 16h, de 16h à 18h. Après je suis passée à 18h en juin pour cet été parce que comme ça je pouvais prendre plus de temps pour les journées puis c'était les vacances. Et là j'ai envie de remonter un petit peu. 16h je trouve que c'est un peu trop tôt
pour moi, parce que je bosse en fait le dimanche, ou alors je vois ma famille. Donc je me dis 17h, c'est pas mal quoi. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui live en même temps, malheureusement, des fois ça vous fait choisir, je suis désolée. Mais voilà, il y aura la rediff, pour les personnes qui n'ont pas pu être là, il n'y a pas de souci. Faut que tu ailles à Evergreen Harbor pour la surprise. Ok, je vais pouvoir te regarder. Ah, trop bien! Ouais, donc voilà, mardi soir, ce sera à 18h40 ou 18h45, je vous refais les infos de toute manière. Je pense sincèrement hein, que pour mardi, je vous fais un post dans l'onglet comité de la chaîne, pour les personnes qui n'ont pas Instagram ni Twitter. Je vous fais un post dans l'onglet comité de la chaîne lundi soir, vous disant l'horaire auquel on va live mardi soir. Et mardi, je vous fais sur Twitter et sur Instagram un rappel qu'on live le soir et qu'il y a des codes à gagner. Voilà, pack de jeux. Normalement, pack de jeux, il y a moyen que je vous fasse gagner être parent, destination nature et encore un autre. Carcorien. Bon alors, qu'est-ce qui gagne? C'est le rénove de conju. Ok, donc va falloir que je rénove une de vos créas. Oh, j'ai peur. Eh bien écoutez, on va d'abord aller découvrir la surprise de mon modérateur et après on va faire ça. Donc, on se met en jeu. Je commence à m'ennuyer sur les Sims, une idée pour ne pas m'ennuyer. Adeline, fais mon Little Valley, il est trop cool. Alors, on va aller en jeu. Faut que je réactive le son par contre. Ouvrir le mélangeur de volume. Les Sims, je réactive. Apparemment, ils annoncent de nouveaux kits. Oui! Oui, il va y avoir de nouveaux kits, mais je sais pas encore quand. Je pense qu'on va avoir l'info mardi. Et ils vont sûrement sortir jeudi, je pense. Je pense pas qu'ils sortent mardi en même temps que le live. Alors, donc, on va aller dans la partie peut-être challenge. Ouais. Et on va aller regarder ta surprise. Alors, Anto, faut que tu m'expliques comment on fait ta surprise. Oui, le live sera sur YouTube mardi. C'est ça. Tu pourras voir la rediff. Mais c'est vrai que pour gagner, par contre... les codes de jeu, donc il y aura des packs de jeux et des kits d'objets à gagner. Et bien pour les gagner par contre, il faudra être sur le live. Si vous n'êtes pas présent pendant le live et que vous regardez la rediff, vous ne pourrez pas gagner les codes. Voilà, vous pourrez pas... Parce qu'avec mes modos, on va essayer de faire un truc pour que on vous donne un lien dans le chat pour le concours, vous participez et on fait un concours par un concours et au bout de quelques minutes, je tire au sort, etc. Ça va être assez rapide, enfin quelques minutes. Je pense que normalement j'ai 4 ou 5 codes à vous faire gagner, peut-être même plus. Déjà là, ce qui est sûr, c'est que j'en ai déjà 3. Là, j'ai 3 codes pour le kit paranormal. Donc déjà, il y aura 3 personnes d'entre vous qui vont gagner le kit paranormal. Et après, normalement, j'ai en plus 4 codes. Donc ça ferait... ouais, on serait à 7 codes environ. Normalement, on serait à 7 codes à gagner entre kit d'objets et pack de jeu. Je crois pas que j'ai le pack d'extension. Je crois pas que j'ai le pack d'extension à vous faire gagner. Mais donc, il faudra que vous soyez présents. Et je pense que toutes les 15 minutes, on va faire gagner un code. Je pense qu'on pourra faire ça. Et puis comme il y en a où j'ai plusieurs fois le même code, on fera un concours avec 3 gagnants pour le kit paranormal. Faudra que je prévoie un petit peu tout ça. Mais si on a déjà tous les packs, on fait comment? Eh ben, tu participes pas. Alors, Anto, est-ce que tu peux m'écrire peut-être en privé pour me dire comment on va voir ta surprise? Écris-moi en DM Insta pour m'expliquer comment je fais, d'accord? S'il te plaît, ça ne te dérange pas, sinon je suis dans le caca, je vais pas trouver. Moi, j'ai juste pas loup-garou, sinon j'ai tout. Ok. Bah après, c'est sûr que je vous dirai hein, quel pack il y aura à gagner, mais si vous les avez déjà, ça ne sert à rien de participer. Enfin, voilà, quoi. Après, c'est sûr, si vous avez déjà tous les packs, c'est normal hein, que vous puissiez pas participer pour tous les packs, c'est logique. Il est où le live des Sims qu'on joue? Je crois qu'il sera sur Twitch, mais nous, on va le regarder ensemble. Donc, tu pourras être avec nous, si tu veux. Et comme ça, on le regardera ensemble. En fait, tu n'auras pas besoin d'être sur le live directement des Sims. Comme ça, on sera ensemble. En plus, comme le live est en anglais, etc., on pourra nous le traduire un peu ensemble. Fait. Ok, alors. Faut que tu ailles sur la galerie. Ok, je vais aller sur ta galerie. On va donc taper ton idée. Tu as juste à la télécharger et la placer. Ok, mais c'est sur quel endroit? C'est sur quel endroit? Alors, galerie, on se connecte. Pourquoi je n'ai pas l'étoile alors que j'ai payé? Aurélie, tu es membre? Si tu es membre, tu as forcément l'étoile. Il n'y a pas d'autre solution. YouTube ne bug pas sur ça normalement. Si tu as un abonnement en tant que membre, sur ce compte-là, hein, peut-être que tu es sur un autre compte YouTube et tu t'en es pas rendu compte, mais si tu as un abonnement en tant que membre, normalement déjà moi j'aurais eu la notification et tu devrais voir que tu es membre avec le petit truc, donc c'est très bizarre. Après, si YouTube bug sur ça, je n'ai jamais eu l'information. Hein. On n'a jamais eu de bug sur ça. Ça va, Violette, s'il te plaît, ne spam pas, sinon tu vas être banni. Il faut pas spam les messages. J'ai vu ton message.
Eh ben, Célestin, malheureusement, mardi, c'est là où il y a le live des Sims, donc il n'y a pas le choix. C'est pas très grave, hein. On peut pas faire autrement. Moi, je suis obligée de live en même temps qu'il y a les Sims qui live. Alors, l'idée du compte, nous sommes sur Anto Création Sims. Donc ça, c'est un de mes modérateurs qui nous a fait une surprise. On va aller regarder ça tout de suite. Ah oui, je ne suis pas sur le bon compte. Ah, c'est peut-être pour ça, Aurélie. C'est peut-être pour ça. Surprise 70K conjureuse. Qu'est-ce que c'est? Comme ça, tu croyais que je n'allais pas te faire une surprise pour fêter tes 70K? Eh ben, c'est mal me connaître. Voici une petite construction pour toi. Mais non! Ça se place sur quoi? 30 par 20? C'est où qu'elle se place? Je pense que c'est là, non? Je suppose. Eh ben, écoutez, on va regarder ça. Oh, c'est trop cute! Ah, oh, j'adore! Merci Anto, c'est trop mignon! C'est trop trop cute! On va rénover vos maisons. Mais juste avant, on regarde la surprise d'un de mes modérateurs pour les 70 000 abonnés. En bas. Ah zut, je l'ai mal mis. Je l'ai mis au mauvais terrain. Bon, je crois que ça passait quand même, hein. On va aller voir ça. Est-ce que tu nous feras un room tour de ton nouvel appartement? Alors, oui, mais en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie ces derniers temps. Et donc, enfin, tout n'est pas terminé, et voilà. Oh, punaise, c'est trop beau! Mais c'est trop beau! 70K conju, mais regardez! Oh, les lettres et tout, mais t'as fait un effet de profondeur et tout! Mais c'est insane! Bon, c'est pas sur la bonne zone de la map, mais c'est trop beau, les gens! On est d'accord? Quand t'as dit « Ah, mais non, mon père t'a imité », et il a dit après « Il fallait pas faire ça ». Il fallait pas faire caca? Quoi? Mais qu'est-ce qu'on racontait les abonnés? Par contre, les gens, c'est trop beau, genre. Oh, c'est vrai qu'on est à 70 000 abonnés, les gens. On est bientôt aux 100 000. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air sur le live pour le soutenir. Parce que je sais qu'on est plus de 500 visionnages, mais il n'y a même pas 200 pouces en l'air. Alors mettez des petits pouces en l'air, ça me soutient beaucoup. Alors attends, mais qu'est-ce que t'as fait à l'intérieur, là? Attends, c'est où l'entrée? C'est où l'entrée? Alors, je suppose que l'entrée doit se faire quelque part, mais je ne sais pas où. Il n'y a pas d'entrée? Ah, elle est là! Ok, alors on va regarder ça. Oh non, 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 ça a l'air tellement ouf. Alors, ça c'est une petite entrée. Ok, avec mon tapis préféré, une plante que j'aime beaucoup. Là, ok, on a une petite zone cosy. Et là, on a une chambre avec un bureau en mode gaming. Ok, oh c'est trop sympa! Là, oh, on a une zone pour Seijin! Oui! Là, on a une petite piscine. Oh, trop chill. Alors, ici. Ok. C'est un petit coin bureau. Par contre, comment tu rentres dans le bureau? Tu peux pas. J'adore. Là, c'est une salle de bain ronde. Oh, avec mon papier peint préféré. Mon carrelage préféré. Douche à l'italienne. J'aime trop. Là, c'est quoi? C'est le coin salon un peu. Ouais. Avec la télé, exactement. Là, encore une zone pour Saïdjin. La salle à manger, là c'est la cuisine. Oh là là, non mais tu t'es saucée. Oh, j'adore! Merci beaucoup Sarah pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Oh non mais Anto, c'est trop beau ce que t'as fait. Oh, je suis trop contente. Oh non, ça me touche trop. Oh là là, là c'est un autre petit coin et là c'est un lit double. Alors là, va pour rentrer dans le lit double. Oh non, c'est trop cool, mais regardez. Mais c'est si beau. Ah, je suis choquée, c'est trop beau! Merci! Coucou Conju! T'as commencé plus tôt que prévu, non? Oui, Elodie, je sais pas si tu me suis sur Insta. J'ai décidé de passer à 17 h les lives. Je vais tenter en fait, parce que c'est vrai que pendant un an, on était à 16 h, de 16 h à 18 h. Et cet été, je suis passée à 18 h parce que les gens, souvent, ils sortaient la journée. Et puis moi, j'avais besoin d'être aussi avec ma famille. Et là, vu que le soleil se couche plus tôt, il va faire froid et tout, je me suis dit, on va passer à 17 h. Et peut-être qu'on repassera à 16 h, mais pour l'instant, on est à 17 h. Voilà. Tu pourrais faire le mode extrême violence. Oh, vous savez, je ne l'ai jamais testé. Je me dis que ça pourrait être cool. Mais par contre, mais vraiment, c'est magnifique, Anto. C'est magnifique. J'adore. Alors, écoutez, nous, on va aller se placer sur une map un peu n'importe où. Et on va aller regarder pour rénover une de vos maisons. Je pense que je vais faire de la daube, encore une fois, puisque je n'ai pas un grand talent, mais on va tenter. Hashtag rénove-nous conju. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai une série de vidéos où je rénove vos maisons que vous m'avez partagées avec le hashtag rénove-nous conju. Alors attendez.
Merci pour le follow. Hello game, bienvenue sur la chaîne, ça fait trop plaisir. Vraiment, c'est trop beau. Oh, mais j'ai le hockey en plus, là. Oui, c'est vraiment trop cool, la petite gameuse. C'est trop, trop cool. Alors, par contre, les gens qui disent des bêtises, vous allez être têche, donc ça sert à rien. Enfin, franchement, je vous conseille de vraiment pas prendre la peine d'écrire un commentaire. Parce qu'après, le bot vous supprime ou mes modos vous suppriment. Bonjour, Sarah. Tu peux rénover la mienne? Alors, je sais pas du tout. On va regarder. Vous allez me dire s'il y en a une qui vous intéresse plus qu'une autre. D'accord? Ça vous va? Non, merci, Fashion. C'est adorable. Alors, on va se mettre sur un terrain. Par contre, ouais, en taille, je veux juste pas que ce soit trop grand. Je pense qu'on va voir peut-être un 30 par 20 pour changer parce que je prenais beaucoup des 30 par 15. Celle-là, elle est belle, oh. Elle m'intéresse bien, celle-là. Il y a celle-là aussi. On va regarder. Alors, maison à rénover. Ah, l'original, c'est pas toi qui l'as fait? J'aime pas ça, par contre. Enfin, j'aime bien quand c'est vous qui l'avez fait, l'original. Original, c'est pas non plus toi qui l'as fait. Ah, j'aime bien quand c'est vous qui avez fait l'original. Ou alors, après, vous vous rendez peut-être... Vous n'avez pas fait exprès. Ah, je sais pas, les gens. Parce que moi, j'aime bien... Voilà, par exemple, là, vous voyez, ça se voit que l'original a été fait par la même personne. Parce que j'aime bien... j'ai peur, des fois, de prendre quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, là, c'est là. Donc là, c'est la bonne. Ok. Maison à rénover. Lexi a acheté cette petite maison bon marché, mais il y a beaucoup de travail à faire pour qu'elle soit à son goût. Elle n'a pas de budget. Elle veut garder la base de la maison tout en mettant, en étant plus moderne. Voilà la réno. Amuse-toi bien. Oula, il y a des... un peu compliqué, là. Alors, merci beaucoup pour les follow Ifi13 et Fashion Glam, ça fait trop plaisir, bienvenue sur la chaîne. Aussi, je le répète, pour les personnes qui sont déjà abonnées et qui ont envie de se désabonner pour se réabonner pour avoir la notification, ça ne sert à rien. Parce que, de 1, si vous étiez déjà abonné, vous n'aurez pas la notification, YouTube bloque les doubles abonnements. Et ensuite, si vous n'êtes pas en abonnement public, quand vous vous abonnez, vous n'avez pas la notification qui apparaît. Donc votre pseudo n'apparaît pas. Parce qu'en gros, pour que le pseudo apparaisse, il faut que votre chaîne YouTube, votre compte YouTube soit public. Et beaucoup d'entre vous mettent leur abonnement en privé et ne le savent pas. Voilà. Ma galerie, c'est Sachala 21. Est-ce que la personne qui a créé ça, donc Rafi Loulou, est ici ou pas? Est-ce qu'elle est sur le live? Dis-nous ça. Tu peux me prendre, s'il te plaît, c'est Juju... Ouais, mais vous avez fait des terrains combien? Parce que j'étais sur du 30 par 20. Bye bye, Laura, pas de soucis. Elles ont l'air toutes jolies. Ouais, franchement, elles sont assez sympas. Hein. J'aime bien. Donc là, t'as pas mis... Ah oui, là t'as mis... Les escaliers ne peuvent pas être déplacés. Je souhaite garder les fenêtres et les portes. Peuvent être changées tout en gardant la base. Waouh, le jardin, il a l'air ouf. Ouais, donc il y a celle-là. Vous en voulez d'autres? Salut Adina. Ah, il n'y a pas de mot interdit, vous voulez un mot interdit? C'est vrai que ça fait un moment. Bah, attendez, je vais mettre toutes les tailles déjà, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qui nous zappe visuellement le plus? Alors, salut, nouvelle maison, dites-moi ce que vous en pensez. Salut Conju, ce n'est pas pour que tu rénoves. Ah, d'accord. J'adore les gens qui partagent avec le hashtag mais qui ne veulent pas qu'on rénove leur maison. Oh! Ah, maison déjà rénovée. Ok. Arrêtez. Vous me tuez. Oh, ça a l'air cute, ça. Un petit mobilhome. Oh, les gens, il est trop cute, ce mobilhome. On dirait que ce mobilhome a été habité par un couple de jeunes adultes. Ils vont emménager. La valeur du terrain ne doit pas dépasser 35 000. Tu n'as pas le droit de toucher à l'extérieur. Tu as pour cela jour de lessive, mini-maison, dans la jungle, vistadine, à la fac, saison et écologie. Wow. Attendez, faut que je note. Faut que je note ça, là. Et merci pour les follow. Merci Fiona pour le follow. Merci Daphné pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Attendez, faut que je note. Eh, c'est trop mignon, le petit mobilhome. Vous en pensez quoi? Ah oui, pardon. Mot interdit. Mot interdit cute. Ok. J'ai plein de choses à gérer en même temps. J'ai un peu du mal, les gens. Excusez-moi. Alors, mot interdit. On a dit. Quoi d'autre? Vous avez dit cute. Vous avez dit... je sais pas. Oui, c'est vrai que ça ferait de la nostalgie, Anto. T'as raison. Oui, le mobilhome, ça vous va le mobilhome? Ok. Oh là là, je suis fatiguée, hein. Donc, cute, mignon. Ah non, pas les gens. Je suis pas d'accord. Rénové, ok. Pipou,
Ok, allez hop, je vous laisse voter pour les personnes qui ne connaissent pas le principe du mot interdit. Sur cette chaîne YouTube, nous avons des mots interdits à chaque live. C'est-à-dire que vous décidez d'un mot interdit avec un sondage et après quand le mot interdit gagne, je n'ai plus le droit de le dire, si je le dis, j'aurai un gage. J'ai déjà eu plein de gages différents, j'ai dû danser la Macarena, j'ai dû chanter la Reine des Neiges, j'ai dû me faire des coiffures dégueulasses avec des chouchous, j'ai dû faire quoi d'autre? J'ai dû parler en anglais, j'ai dû parler en ASMR, j'ai dû parler en chantant, j'ai dû... Je sais plus ce que j'ai dû faire, mais j'ai fait beaucoup de choses. Donc, je vous laisse voter. Écoutez, on va partir sur ce mobilhome parce que je le trouve grave cute. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh, vous voyez là, c'est baby hair. Je ne les supporte pas. J'aimerais qu'ils soient lisses comme le reste de mes cheveux quand je passe mon brushing. Mais bon. On s'en fout. On s'en fout des cheveux. On s'en fout. Arrête de parler qu'on jute tes cheveux, on en a rien à foutre. Alors, on va donc noter tout ça. J'ai pas le droit. Alors l'extérieur, je dois pas du tout le toucher. C'est que l'intérieur. Ok. C'est pas mal ça aussi. Parce qu'en vrai, je suis pas ultra forte en extérieur. Donc, je vais noter les packs qu'il faut que j'ai. J'ai le droit à jour de lessive. Jour de lessive. Merci beaucoup pour le follow. Erika, merci beaucoup. Ou Erika, je sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bienvenue sur la chaîne, ça fait trop plaisir. Alors, on va continuer. Jour de lessive. Mini maison. Dans la jungle. Vie citadine. À la fac. Saison et écologie. Ok, j'ai noté. Donc, c'est parti, c'est un 20 par 15. Je suis trop tentée, les gens, à Donf. Juste, je sais pas où le placer. New Crest, on va aller virer une petite maison là. 20 par 15 ici, c'est parfait. Allez hop, let's go! On va regarder le petit mobilhome, j'adore! Tu es trop belle. Non mais c'est juste, j'ai du mal avec les petites vaguelettes là. Ça c'est mes origines de Kabyle. C'est pour ça, j'ai les cheveux espagnols aussi en vrai. J'ai les cheveux très très bouclés naturellement. Et je fais toujours un brushing qui fait mal. Hein, on connaît, hein. On connaît les brushings, ça fait mal. Ça fait mal aux épaules quand t'es là pendant une heure. Hein? On est d'accord? Ça fait mal. Bah là, c'est pas naturel, mes cheveux. Hein. Là c'est pas comme ça. Hein. Ça c'est trop beau pour être naturel, ça. Hein. Mais oui, on n'est jamais content de ce qu'on a. Non, mais à chacun de mes lives, je me plains de mes cheveux, malheureusement. Hein. Merci beaucoup pour le follow Pineapple! Merci. Non, à chacun de mes lives, je me plains de mes cheveux. J'avoue, je suis désolée. I'm so sorry. Mais ouais, là c'est brushingé, hein. Et encore. Hello, coucou, Cookie Miam, comment tu vas? Alors, on va rénover une de vos maisons et c'est un petit mobilhome beaucoup trop cute. Beaucoup trop cute. Merci, Domiti. Le live est en deux parties. Il y a moyen, on verra. On verra. Alors, regardons le mobilhome. Bon, à côté, il y a une maison, hein, que d'ailleurs j'avais rénovée. Non, je sais même plus c'était quoi cette maison. Si, c'était un jeu rénov, d'ailleurs, c'était un jeu rénov. Donc, le mobilhome, il ressemble à ça. J'ai pas le droit de toucher à l'extérieur, donc on va pas toucher à l'extérieur. C'est sympa, franchement, j'aime bien. Il est très cute, hein. Il est très très cute, ce petit mobilhome. Donc, par contre, c'est l'intérieur que je dois le rénover. Ah oui! Ah oui, effectivement, l'intérieur mérite d'être rénové. Ok. Écoutez, je pense en vrai que je vais un peu... Je vais un peu tout... Ouais, je vais tout changer. Genre, vraiment, tout l'intérieur va être modifié. Ouais, oui, les toiles d'araignée et tout. Ah, mais clairement. Clairement. Il va falloir donc que je fasse pour la rediff, qu'on est sur un jeu rénov aux maisons. Alors, cette lumière-là. Hop, ok. Il va falloir que je change tout. Ah ouais, là, il y a tout à changer. Il y a tout à refaire. Oh là 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 là. Alors, il va falloir aussi que je mette des packs. Ah oui, non, on va tout refaire, là. Non, il y a tout. Il y a tout à refaire, là. Là, il y a tout à refaire. Ah! J'ai enlevé une fenêtre! Je sais pas si j'avais le droit d'enlever les fenêtres. Je me souviens plus. Est-ce que vous vous souvenez ou pas si j'ai le droit de changer les fenêtres? Ah, il y a des pins sur les fenêtres? Oh, c'est trop cute! Mais j'ai jamais eu cette idée! Mais de mettre des pins sur les fenêtres, enfin, des autocollants, je sais pas quoi, c'est trop mignon, les gens! Ah ben punaise, heureusement qu'il n'y avait pas encore le mot interdit parce que je viens de dire cute. Ok, donc là je vois qu'à 36% c'est cute qui gagne avec presque 400 votes. Ok, à partir de maintenant je n'ai plus le droit de dire ce mot là. Si je le dis, je réengage. Punaise, je suis pas dans l'art là. Hein.
Je vais tenir 30 secondes. Non mais j'ai pas perdu les gens. Rosalie, arrête de dire j'ai perdu. Je n'avais pas encore validé le sondage. Tu viens bien de voir que le sondage est validé que depuis maintenant là. En fait, le mot interdit, il est valide quand j'ai validé le sondage. J'avais même pas regardé ce qui était le plus liké. Donc à partir de maintenant, j'ai plus le droit de dire ce mot. Par contre, c'est vraiment trop mignon. Faut que je dise mignon. Allez, on détruit tout, on détruit tout. Mais attends, mais pourquoi? Hein? Mais, il faut une plateforme là. Ah oui, on peut faire comme ça, c'est mieux. D'accord. Bon, allez hop. Destruction massive. Ah mais non. Oh mais c'est... J'allais dire encore le mot, hein. C'est trop mignon là, ce que t'as mis sur les fenêtres. J'adore. Ah donc on va vraiment faire tout l'intérieur. Ah mais je croyais qu'on n'avait pas de budget, zut, zut. C'était pas une des conditions qu'on n'avait pas de budget? Je sais plus du tout. C'est quoi le mot interdit? Ça commence par un C, ça finit par un E et il y a UT à l'intérieur. Non, je ne le dirai pas. Je tiendrai bon. Alors, on est en 20 par 15. Et elle est où? Elle est là. Alors. Ah oui, voilà, c'est 35 000. On n'a pas le droit de dépasser 35 000. Donc le but, en fait, c'est que la valeur globale ne dépasse pas 35 000. Là, ça va, on est à 17 900 pour l'instant. Tranquille, on est assez large. So. Oh, c'est trop mignon. Faut pas que je dise les mots qu'il faut pas dire. Ok. Bon, au pire, la porte, c'est pas grave. On peut la tège. Voilà. Voilà. Ok, tout va bien. Bon, donc on a ici salle de bain. Bah, salle de bain, c'est bien avec une porte, non? Chambre, entrée, salon, cuisine. Et là, c'était un coin bureau. So, on va mettre des lumières, les gens. Comme ça, ce sera good. Hop. Oh, merci beaucoup, Cookie Miam, pour tes 2 euros. Tu as raison, c'est. Je le dirai pas. Sur les fenêtres. Merci, petit Kakura. Merci beaucoup pour tes 2 euros. Tu as oublié quelque chose au mur? Ah bon, j'ai oublié quoi? Merci beaucoup, vous êtes adorables pour tous vos messages! Et tous vos abonnements, merci beaucoup à Léna et à toutes les personnes qui s'abonnent. Si tu avais un travail, je pense que tu serais décoratrice d'intérieur et extérieur. J'aimerais beaucoup hein, être décoratrice, sincèrement, mais je suis pas assez forte. Hein. Enfin, en tout cas, dans les Sims, je suis une grosseur là. Peut-être que dans la vraie vie, ça irait, tu vois, mais. Franchement, dans les Sims, c'est pas ouf, hein. T'as enlevé une porte, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va en mettre d'autres. Je ne le dirai pas en taux, je vais tenir. Et franchement, le live dernier, j'ai tenu tout le live sans dire le mot interdit. Hein. Conju, est-ce que tu pourrais faire une chambre kawaii? C'est possible, peut-être. En vrai, le mobilhome m'inspire beaucoup. Hein. Il est tellement kawaii. Donc, on va mettre des lumières. Par contre, je vais mettre des lumières pour qu'on voit. Je vais mettre un truc assez basic. Hein. Hop, ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va attaquer la salle de bain. C'est toujours un des trucs que je fais en premier, parce que c'est le plus simple pour moi. C'est pourquoi je fais ça, sérieux. Numéro taré. Alors, ici où les carrelages? C'est là. La belle faïence. Elle est belle, elle est belle. Je me mets à chanter alors que j'ai pas encore de gage. Je suis pas dans la chlam, moi. Alors, hop. Carrelage. Bam. Peut-être un petit peu plus foncé. Maybe. Non, maybe not. En bleu, c'est sympa. Merci beaucoup Camille pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Merci, merci. On est 600 les gens. Merci beaucoup à toutes les personnes qui regardent. C'est quand que les Sims sont gratuits? C'est mardi. Mardi, les Sims sont gratuits. Et d'ailleurs, mardi, on sera en live. J'adore ta peluche derrière toi. Tu l'as achetée où? Sur AliExpress, la peluche qui est derrière moi. Salut Adélaïde, on est en train de rénover une de vos maisons. Oh là là, c'est quoi encore ce compte chelou là? Bloqué. Mais par contre, j'arrête pas de bloquer ces comptes bizarres, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je les bloque. Je sais pas pourquoi. À propos, signaler. Mais attendez, il était déjà bloqué. Mais je comprends pas les gens, ça c'est ouf, hein. Parce que là, le Tinder machin qu'on a vu, là, le compte chelou, quand je vais sur son profil, il y a écrit débloquer l'utilisateur. Donc il est bloqué le compte, hein. Il est bloqué, mais il peut quand même écrire sur les lives. YouTube, si on bloque quelqu'un, faudrait l'empêcher d'écrire sur les lives. C'est un peu débile là quand même. Aïe, aïe, aïe. Coucou, pour Noël, j'aimerais un pack Sims. Quel pack tu me conseilles? J'ai déjà au travail. Oh, t'as que au travail? Oh là là, mais il y a tellement de packs cool. Oh bah alors, qu'est-ce que je peux te conseiller? Attendez, je me redresse.
Qu'est-ce que je peux te conseiller comme pack? J'ai fait une vidéo sur tous les packs, si jamais ça t'intéresse. Ça dépend en fait de ton gameplay. J'aime beaucoup vivre ensemble, Citadine, écologie. J'aime beaucoup de packs. Vie à la campagne aussi. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Mon Komorebi. Escapade enneigée. Tu as des restrictions de packs normalement. Ah oui, c'est vrai, pardon. Pardon. Je sais pas d'où il venait. Ah, je crois que ce carrelage, c'est le carrelage de base quand même. Oui, c'était un carrelage de base, donc ça c'est bon. Je vais mettre les restrictions de pack, attendez. Attendez, attendez que je me trompe pas. Donc, on a le jeu de base, on a vie citadine, on a saison, on a à la fac, et on a écologie. On a dans la jungle, mini maison et jour de lessive. Ok, c'est bon, j'ai mis la restriction des packs, c'est parfait. Je suis désolée, Conju, faut que j'aille faire mes devoirs. Pas de soucis! Bon courage pour tes devoirs. Alors, on va faire donc la salle de bain. Merci de me l'avoir rappelé parce que j'allais oublier. Hein. J'allais totalement oublier. Je pense qu'on... Est-ce qu'on se met une baignoire douche ou est-ce qu'on se met une douche? On va se mettre une douche. Petite douche? Petite douche? I don't know. Celle-là est très basique. Hein. Celle-là aussi, elle est sympa en vrai. Mais le truc, c'est que... Ah, on peut faire comme ça. Ça, c'est pas mal. Ouais, bon, après, t'as la fenêtre, quoi, tu vois. Mais techniquement, ils te voient pas quand t'es dans la douche. Ça va. en bleu. Oh, c'est joli comme ça. J'aime bien. J'ai une question. Pour avoir des bambins, genre pour être parent, faut avoir un pack. Attends, j'ai rien compris. Non, non, non. Avec le jeu de base, vous aurez des bambins. Et les bambins sont avec le jeu de base. C'est une tranche d'âge du jeu de base. Moi, je fais des crêpes. Oh non, j'ai envie de crêpes. J'ai faim de crêpes. Demain, je mange des crêpes. Demain, je mange des crêpes. Demain soir. C'est bon, c'est décidé. J'ai pas le temps là ce soir. Mais demain, je mange des crêpes. Alors, il nous faut une porte. Donc, au niveau d'une porte, on va mettre quoi? Un truc qui fasse un peu mobilhome. Donc, forcément, une petite porte. Combien? Toute basique. Et là aussi, on peut peut-être mettre la porte par là, comme ça là on pourra mettre un bureau, ça va être sympa. Donc, ici je vois bien mettre un évier avec un miroir. Alors, mini maison, ah oh, oui, c'est trop beau, mini maison! Je t'arrête. It's so perfect. Il faut que j'active les CC aussi. Tu contenu personnalisé. Pourquoi j'active le contenu personnalisé? Parce qu'en fait, j'ai... Les miroirs, hein, ça c'est le miroir de mini-maison. Sauf qu'en fait j'ai un CC qui me permet d'avoir les miroirs à la hauteur que je veux, donc c'est comptabilisé comme un CC dans le jeu. Donc c'est pas de la triche, c'est juste que bah, j'ai un CC quoi. Donc niveau miroir, ouais, il y a celui-là qui est sympa et je pense qu'on va mettre celui-ci, hein, de mini-maison, c'est celui qui colle le mieux. Et comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que je peux mettre des petites babioles? Maintenant on va désactiver les CC. On a des petites babioles, on n'a pas non plus grand-chose. Hop, hop, hop. Ça, je le monte avec la touche 9, juste ici. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, le carrelage de la salle de bain? Quoi? Ah, le carrelage du sol? Ah, c'était peut-être le carrelage du sol qui n'était pas bon, c'est ça? Ah, oui, c'était un autre carrelage. Ok. Eh ben, je vais mettre celui-ci. Voilà, comme ça, on a changé. Calme-toi, tranquille. J'ai changé. Oh, c'était temps, c'était stress. Alors. Un petit toit, on va mettre celui de mini maison. On va mettre du PQ juste là. Ok, on va mettre un tapis. Après, c'est un petit mobil-home, hein, donc on est en mode chill. On est en mode paper. Hein, mon cerveau, des fois, il est un peu hein, limité. Hein, on se pose des questions. Enfin, moi, en tout cas, je m'en pose. Je sais pas pour vous. Alors, oh, c'est trop beau le bleu, je mets du bleu de partout. Oui! Est-ce qu'on a les peignoirs? Oui, c'est le jeu de base. Heureusement que les peignoirs sont le jeu de base, sinon j'allais pleurer. Ah, est-ce qu'on a des trucs aussi? Oh, it's so perfect. J'adore ça. Alors, par contre, il faut le rétrécir. Mais ça rend trop bien. J'aime trop. Oui! Et ça aussi. Oui! Wouhou! Je suis complètement barjot là. Hein. On m'a perdu. Ça rend trop bien. T'es la meilleure. Oh, c'est gentil. J'aime pas le sol. Oh bah, je m'en fous. Hein? Tu parles du carrelage là ou pas? Parce que j'ai pas beaucoup de carrelage qui passe, hein. Je trouve que en vrai, les sols en carrelage, ils sont pas... Enfin, on va se le cacher,
ils sont un peu éclatés au sol. C'est le cas de le dire. Ben oui. Donc on est sur un bébé mobilhome. Pour une personne, techniquement. On peut se permettre d'être en mode une personne, quoi. Et on va mettre des petits produits de beauté. Et voilà pour la salle de bain. Ok, on passe à la chambre. À la chambre. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter. On va mettre un nouveau parquet. Alors, qu'est-ce qu'on met comme parquet? Bah, peut-être pas trop foncé, mais celui-là, il est très orangé, en fait. Il me perturbe pas mal. Et ça, pour moi, c'est trop clair. Quoique, non, ça passe en vrai. It's okay for me. Ah, j'ai eu un petit message. Oui. Parce qu'en fait, pour avoir noté les packs, j'ai écrit un message à quelqu'un, mais je l'ai envoyé. Et elle me répond... C'est pour ton live? Oui, c'est pour mon live. Salut, conju, je dois y aller. Ah bah d'accord, coucou Louise, et au revoir Louise. C'est quoi le mot interdit? Ça commence par un C, ça finit par un E, et il y a UT à l'intérieur. Il finit à quelle heure le live? À 18h. À 19h, pardon. Ouais, celui d'écologie, il est beau. Ça veut dire quoi, pilou? Pilou, c'est un peu tout doux, les matières de pyjama fluffy, je sais pas comment dire. C'est tout doux, quoi. Donc si j'ai pas le droit de toucher à l'extérieur, j'ai peut-être pas le droit de toucher au mur à l'intérieur. Moi j'ai envie de changer. Est-ce que j'ai le droit de peindre les murs ou pas les gens? Vous pensez? Vous pensez que j'ai le droit de peindre les murs? Ai-je le droit de peindre les murs dans une couleur qui me plaise? Faut vraiment que j'arrête de chanter là. Non mais dans ma tête là je suis en mode chant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on va pas peindre les murs pour l'instant, on va surtout s'occuper de mettre un lit. Alors, on va mettre un lit simple, puisqu'on est avec une seule personne. Au niveau des packs qu'on a... Oh, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce lit-là, et il est beau en plus. Oh là 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 là! Ah oui, mais ce coloris-là, il est insane. Ah, ce coloris-là, il est insane. Je me répète, je radote, je suis une vieille. Tout l'intérieur, ça revient au mur. J'ai pas compris. C'est quoi que... quoi? Oui, je peux changer les murs, alors. Pour Instant Gaming. Oui, c'est vrai que sur Instant Gaming, les packs sont beaucoup moins chers. T'as 3 évaluations demain, courage. C'est pas un couple. Bah, je crois pas, non. Si. Mais il y avait un lit simple. Oh, pétard, si c'est un couple, je suis pas dans l'arc, là. Attendez, on va regarder. C'est où? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il comprend pas. Plus populaire et plus récent. Allez, c'est là. Oh! Un mobilhome a été habité, un couple de jeunes adultes va emménager. Ok, bon, un couple. On n'est pas dans l'art là. Il nous faut donc un lit double! Un lit double! Ça va être complicado pour moi. Non! Oh là là, mais la chambre! Mais non, mais là, est-ce qu'il passe en vrai avec cette demi-espace? Je crois qu'il passe, là. Je crois qu'il faut un carreau pour que les Sims passent, non? Si je me trompe pas. Sinon, après, comme c'est un mobilon, on peut mettre un truc comme ça, mais c'est pas très beau, j'aime pas. Oh non, je savais pas que c'était pour 2 personnes, j'avais pas capté, ça m'énerve. Ça me pioule. Oh, il y a celui-ci aussi de Alapha, qui est pas si mal. Il est pas si mal. C'est quand que tu fais des lives sur Twitch? Eh bah, pas pour l'instant. je reste cantonnée à YouTube pour l'instant. Je m'y sens mieux, je me sens moins à l'aise sur Twitch. Et en fait, j'ai envie d'atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube avant de passer à Twitch, en fait. C'est important pour moi. Alors, je sais pas s'ils peuvent passer. Est-ce qu'ils peuvent passer, là? Oui, mais le budget, c'est à la fin qu'on va voir. De toute manière, ça va. Là, on est à 26 000. Ça commence à pas aller du tout. On a le droit qu'à 35 000. J'ai mis plein de détails dans la salle de bain. Je suis folle. Ok, on va peut-être prendre le lit le moins cher. Hein. Oui, on va prendre le lit le moins cher. Hein, conju. Ça, c'est pas mal. Hein. Voilà, ok. Bon, il nous faut donc une armoire. Bon, on va mettre une armoire ici. Mais c'est rikiki, là. Je sais pas si j'ai le droit de changer les murs. Je me souviens déjà plus. Oh, ça passe pas. Ou au pire, l'armoire, elle est là. Hein. C'est un mobilhome. Oh. Oh, oh, et hein, oh, fufufu. Je suis complètement tarée, là. Là, après, tu peux avoir un bureau, quoi.
Mais le bureau, je sais pas où il va être, mais il va être quelque part. Là, on peut mettre l'armoire. Hop, petite armoire. Armoire jaune, non, armoire blanche. Coucou Alicia, on est en train de rénover une maison. On rénove une de vos maisons. Coucou Louane, ça fait trop plaisir de te voir. On rénove une maison. Coucou, je viens d'arriver, tu peux m'expliquer ce que tu fais? Bon, bah ça fait 20 fois que je le dis, on est en train de faire un jeu rénove vos maisons, un petit rénove nous conjugue, voilà. Alors par contre, ouais, la chambre, comme ça doit être pour une chambre parentale, c'est pas ouf, quoi. Enfin là, je sais pas trop quoi mettre dans la chambre. Un miroir, peut-être. Oui, on peut mettre ce truc-là. Et voilà, c'est tout ce qu'on pourra mettre dans la chambre. Hop là! On est pas mal, hein, franchement. Hein. Et un tapis ou une plante, je sais pas. Peut-être une petite plante, là. Ouais. Bah déjà, que la fenêtre, j'ai pas le droit de la bouger, c'est un peu relou, ça. Parce que là, je peux pas faire le lit comme ça. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Bon, on verra pour un tapis des trucs plus tard parce qu'on est à 20 000. Oh bah ça va en vrai, 20 000, ça va, il reste encore de la place. Donc, on va peut-être mettre les meubles de cuisine parce que ça coûte vite cher les meubles de cuisine, les gens. Tu peux dire coucou Satine. Tu me conseilles quel pack? Alors, j'ai fait une vidéo il y a déjà plus d'un an pour conseiller des packs, donc si jamais ça t'intéresse. Après, moi, je conseille toujours les packs d'extension plutôt que les packs de jeux ou les kits d'objets, même s'il y a des très bons kits d'objets. Mais c'est vrai que les packs d'extension t'apportent souvent une map, du gameplay, beaucoup, beaucoup de nouveautés, en fait. Même si à le prix, tu peux le trouver beaucoup moins cher. En fait, tu peux trouver les packs d'extension à des prix de packs de jeux sur Instant Gaming. Donc, n'hésite pas à regarder sur Instant Gaming. So, on va partir... Ah non, les voisins, faites pas du bruit, pas maintenant, c'est pas le moment. On va partir sur des meubles de cuisine sympathiques. Alors, bah, je sais pas sur quoi partir. Ah, peut-être ceux-là. Ouais, why not? It's possible. So, ils ont pas l'air trop trop chers non plus. J'ai trop envie de chanter là, je suis en mode chantonnade. Alors ça, je vais le mettre là et je vais mettre le frigo. Est-ce que mettre un frigo à côté à côté de ça, ça marche ou pas? Oui, techniquement ça marche, hein. C'est fait pour que ça fonctionne. On met quoi comme couleur? On met du bleu, c'est trop beau le bleu. J'adore le bleu. J'adore le bleu, j'adore le bleu. Mais là, ça fait trop tout bleu, tout collé, ça va pas. Hop, 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 hop. Mais là, il y a la fenêtre, ça colle pas. Mais il y a la fenêtre, ça colle pas. Je suis en mode chantonnade, là. C'est n'importe quoi. Petit évier. Ok, on est à 26 000. Ça va, ça va, ça va. C'est raisonnable. Ah, pourquoi tu t'es en boucle, là, conju? T'es relou. Faut qu'on mette une hotte. Hop. C'est bon. Hop, j'ai placé une hotte. Nickel. Franchement, c'est mignon. C'est pas mal. Je sais pas, dit le mot interdit. Je l'ai pas dit, Anthony. Alors, merci beaucoup pour tes 2 euros, Anthony, mais je l'ai pas dit. Merci beaucoup. Tes cheveux rebiquent derrière. Ouais, je sais, désolée, c'est pas ma faute. Me parlez pas de mes cheveux, les gens. Je suis une maniaque des cheveux. Me parlez pas de mes cheveux. C'est de la rla, mes cheveux. Le live est fini à 19h. Tu radotes comme moi. Ah non, mais je radote trop. Tu radotes trop. Je vous conseille quel pack? Je vous conseille plein de packs d'extension. Non, en vrai, les meilleurs packs, je trouve, c'est Vivre Ensemble, Vie Citadine, Écologie, Escapade Enneigée. J'aime bien aussi Chien et Chat. Et Saison, c'est un très bon pack pour le gameplay. Il est vraiment trop trop cool, Saison. Alors, on n'a pas le droit de dépasser 35 000 de budget. On s'en souvient, on s'en rappelle. Il faudrait peut-être qu'on mette aussi d'un pot et rideau. Oh mais... Oh non, c'est enlevé! Ça a enlevé! Attendez, j'avais quoi? J'avais Citadine, Saison, à la fac écologie, j'avais Dans la jungle et j'avais Jour de lessive et mini-maison. Ça avait enlevé ce que j'avais choisi. Je sais pas pourquoi j'ai fait une bêtise. Je fais toujours des bêtises. J'ai pas le droit de changer extérieur, donc je peux pas mettre ce lustre. J'avais envie de tenter un truc, mais je peux pas. Faut que j'arrête vraiment de faire des voix comme ça, je suis très chelou. Bah j'aimerais bien mettre des rideaux, les gens. Genre en mode, bah, rideau, tu vois, mais bon, là, tu peux pas trop. Ouais, là aussi. Pour pas que les gens puissent te regarder, je sais pas. Ben bon, là, c'est relou, le rideau, ici, ça colle pas, en fait. Là, tu fais quick-quick et tout le monde te voit, quoi. Bref. On essaye d'améliorer tout ça, hein. C'est pas facile. Le bureau, je sais pas encore où on va le mettre. Enfin, il y a moyen, en vrai, qu'on le mette par là, le bureau. À côté d'ici, de la bouffe. J'adore. Oui, enfin, on va trouver une zone pour mettre le bureau. Peut-être au pire, on peut mettre un paravent.
Hop, paravent. Paravent. Hop là. Coucou Alice, comment tu vas? T'es gâtée, mes cheveux rubiques aussi. Moi, ma meilleure amie tente un sans baby spécial jeu de base. Oh, ça doit pas être facile, ça. Ça doit pas être facile du tout. Alors, est-ce qu'on a un paravent qui... Il y en a aucun qui passe, là. C'est Bagdad, le truc, là. C'est... Oh ouais. Oui, c'est paravent vieux, là. C'est... Bah, écoutez. Non, c'est pas beau. J'étais en mode, on va faire ça, mais non, on va pas faire ça. Celui-là, en vrai, celui-là, il passe, je pense. On a d'autres coloris, ça devrait le faire. En beige, comme ça. En bois. Oh, le blanc, il est beau. J'adore le blanc. Le blanc, il est beau. Allez, hop. Et comme ça, ici, on a notre zone bureau. Avec une chaise et tout. Allez, une petite chaise. Donc, jeu de base, ça, c'est parfait pour moi. Voilà. Petit ordinateur, on va mettre celui-ci. Ça coûte cher, mais ça va. C'est pas non plus excessif. Là, faudrait qu'on mette la table de salle à manger et ici le salon. Oui, on va y arriver. Franchement, pas si mal hein, cette idée de faire un jeu rénov' aux maisons, j'aime bien. Alors, on va mettre une petite table, hein. On va pas mettre non plus un grand truc, je pense. Niveau chaise, oh, ce côté industriel, j'aime bien. Ah, je sais pas. Bah, en vrai, c'est les chaises qui coûtent le moins cher et qui sont le plus stylées, je trouve. Donc, autant partir sur ça. Hein. Après, est-ce que c'est le bon coloris? Ouais, je sais pas trop. I don't know. Si, ça peut le faire. Un peu comme ça. Ouais, il nous faudrait un tapis aussi. Là, on est à 29 000. On n'a pas le droit de dépasser les 35 000. On va y arriver. Franchement, tranquille. Easy. Ouais, là, on a un peu de bois. Ça rappelle. Là, il nous faut aussi un tapis pour l'entrée. Je vais mettre un tapis tout petit, tout rikiki. Oh, il est un peu grand. Bon, c'est pas très grave. Là, donc, on a dit que ça devait être le coin salon. Ouais, bah on va faire ça, on va mettre un canapé. Tu peux dire Anna, coucou Anna. Salut Conju, je suis en train de faire une zone de squat. Est-ce que si je le mets dans le Rénove-nous Conju, tu essaierais de le rénover en petite maison ou tu préfères rénover des maisons déjà faites? Ah, ça peut être un truc de squat, hein, c'est possible. Hein. Après, moi en général, je rénove pas des trop gros trucs, des trop gros terrains parce que je suis pas très forte, je trouve. J'essaie de m'améliorer, mais c'est petit à petit. Et il faut faire étape par étape et genre rénover des big maisons, genre ça c'est pour NS, belle peinture, moi je suis pas capable, genre vraiment ça me fait paniquer. Donc si c'est un petit terrain de squat, c'est possible, oui, ça je peux rénover. Mais que deux chaises, vu qu'ils sont que deux, ça coûtera toujours moins cher. C'est pas faux! You have raison! You have intelligent! Eh ben oui! Hop, voilà, on est bien là, c'est pas mal. J'ai envie de mettre une petite plante dessus. La petite rose, en mode cute. Oh, so cute, petite rose. J'adore. Donc on a dit un canapé. Coucou, on fait quoi? On fait un jeu rénove aux maisons. Salut Aliénor, ça va bien et toi? Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont liké d'ailleurs, ça fait trop plaisir. Alors au niveau d'un canapé qui ne coûte pas trop cher, bah il y a celui-ci, d'écologie en soi. Après, ma foi, on n'est pas obligé de partir sur ça. Hein. Il nous reste encore de l'argent, hein. Oh, il est sympa quand même, niveau couleur, je sais pas, j'aime bien. Ils sont très originaux, les trucs d'écologie, je trouve. Oh, mais il y a lui qui est trop cute. Vous avez vu mon visage changer du tout au tout. Avec des petites couleurs comme ça. Oh, ouais, c'est trop cute. Ah, oh non, je l'ai dit, mais je suis débile en plus. Je viens de m'en rendre compte que maintenant. Je viens de dire le mot interdit en étant contente d'avoir trouvé un canapé sympa. Merci beaucoup, It's Me Sissi, pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Oh non, je me suis fait avoir. Coucou Marilyn. J'ai commencé à 17h. J'ai mis une story sur Insta. Je change maintenant l'horaire, c'est 17h et plus 18h. Je suis dégoûtée, j'ai perdu, j'avais un gage. Bon, allez, donnez-moi un gage. Oh, pétard, j'ai le seum. Chante une chanson. Ok, super. Quoi d'autre comme gage? Oh non. Oh, je suis trop nulle. Donc, mon gage. Rip me. Merci beaucoup pour le follow. Frédéric, bienvenue sur la chaîne. Parler en ASMR. Chanter une chanson.
enfants, punaise. Voir. Ah, voix de bébé. Voix de bébé. Voix de bébé. Caméra. Caméra Sims 4. Mais c'était sûr, mais c'était sûr. Mais c'était sûr. Campagne française. Ah non, il n'y a pas eu de coiffure cette fois-ci. Oh non, j'ai le seum. Mais j'étais trop contente en plus d'avoir trouvé ce canapé. Je suis, vas-y, il est trop beau, il est trop cute. Et voilà, j'ai dit le mot interdit. Je suis pas contente. So, pendant que vous votez, pendant le sondage, je vais continuer mon petit, ma petite zone chicos. Alors, petit tapis. Ah mais ce tapis, c'est le best tapis ever. Hein. It's so perfect, on adopte, on prend, on valide, on lui fait des bisous et des poutous. Il est trop beau ce tapis. Après, on met ici une table. En vrai, ça, ouais, ça passe comme table pour le mobilhome. Hop, et on va mettre une télé par-dessus. Alors, télé pas trop chère, hein. Peut-être pas non plus boussiné dans les Smarties. Voilà, voilà, une petite plante comme ça, ça fait de la vision. Une petite enceinte, comme ça, on a une enceinte. Je vais presque dépasser le budget, pourquoi je mets une enceinte? On n'a pas besoin d'enceinte dans un mobilhome, la musique, non, non, non. Si la caméra Sims 4 est en train de gagner pour l'instant, je vous laisse encore voter. Coucou, ça va et toi Margot? Tu peux faire Harry Potter sur les Sims? Ah, ce serait drôle qu'on fasse ça. Écoutez, on est 600 sur le live, 613. Donc, ce sera uniquement à 500 votes que je ferai le gage. Donc, allez hop hop hop, votez, 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 votez. Donc, là c'est le salon. En vrai, ça va, il est plutôt sympa. Hein. Ma foi, je pense qu'on peut changer... Oh, les voisins, ils font tomber des trucs. Je pense qu'on peut changer les murs de l'intérieur... qui ne sont pas les mêmes murs que l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Maybe. You know, genre par exemple comme ça. Voilà, imaginons. Hop. C'est une possibilité envisageable. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi, mais... Est-ce qu'on mettrait pas un truc comme ça, peut-être? Ah, ouais, c'est sympa, ça. C'est sympa, c'est sympa. Et là, pareil, ici, j'aime bien... Ah, oui, j'aime beaucoup, même. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ouais, le canapé, il est cool, hein. Merci beaucoup, Satine. Je l'ai eu, finalement. bah, désolée si tu trouves ça moche, Emma. Désolée. Excuse-nous. Alors, au niveau d'un tableau, ça, en vrai, on peut peut-être le mettre par là. Ah, je veux mettre une bibliothèque. Faut pas non plus que j'oublie le bureau. Bah, la bibliothèque, en vrai... Ah, il faut une poubelle aussi. Attendez, attendez. J'oublie tout, moi. Poubelle, hop, ça, c'est bon. Il nous faut une bibliothèque qu'on pourrait mettre à l'entrée, mais bon, ça fait un peu bizarre d'avoir une bibliothèque à l'entrée, non? En vrai, là, on pourrait mettre une bibliothèque. La bibliothèque jeu de base, que j'adore, que j'aime. Elle est trop belle. Ça, par contre, ça n'a rien à faire ici. Est-ce que ça peut se caler par là? Ouais, en vrai, on peut le mettre là. Ok, je vais essayer d'ajouter des petits détails. Il nous reste encore un peu d'argent, en vrai. Il nous reste encore un peu d'argent. On va mettre un porte-manteau. Porte-manteau. Oh, j'ai la flemme, là. Porte-manteau. Manteau. Manteau, manteau, manteau. Manteau. C'est un S à porte-manteau? Porte-manteau? Bah, porte-manteau. Normalement, c'est... Ah non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Attends, mais... Ah, mais non! C'est pas le jeu de base, le porte-manteau? Mais moi, je croyais que c'était le jeu de base, le porte-manteau. Il est où, mon porte-manteau? Ah, mais c'est attaché, espèce de teubé, conju. Oh là là, eh oh, hein. Teubé, teubé, hein. Tu peux dire coucou, Noéline, coucou. Tu fais quoi? On est en train de rénover une de vos maisons. C'est trop, trop beau, t'inquiète pas. Merci, Margot. Non, mais c'est parce que c'était attaché, les gens. C'était attaché, genre. Ça m'a tué, franchement. C'était attaché. Et oui, vous avez raison, mes cheveux, ils rubic derrière. Mais arrêtez de me le répéter, s'il vous plaît. Je m'en fous, mais je veux pas qu'on me répète ça. T'es prête pour regarder Pretty Little... Original, si. Quoi, attends, y a une nouvelle série Pretty Little Liars qui sort, là? Non, mais attends, moi, je connais la série Pretty Little Liars de base, tu vois. Oh là là, ce gars-là, je veux le bloquer. On va masquer l'utilisateur de la chaîne, si ça peut aider.
Ouais, on vient de le renlever, le compte chelou, normalement. C'est relou, hein, ce compte-là, vraiment. Je comprends pas d'où il vient, pourquoi il est là. Il va vite dégager parce qu'il va me saouler. Je vous le dis direct. So, on a des petites chaussures pour l'entrée qu'on pourrait mettre là. Pour se donner un petit côté réaliste. C'est une véritable entrée, hein, voilà. Bon, le tapis, c'est pas... Ou alors après, on le tourne. Après, est-ce que c'est très réaliste? Quoique, si, en vrai. Non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est original d'avoir un tapis aussi long. Alors, en vrai, au niveau de choses qui se mettent sur les murs, ça pourrait être sympa qu'on rajoute des babioles. Ouais, peut-être un truc comme ça, je sais pas. Là, on pourrait se mettre aussi des plantes, je sais pas. Ah, ça peut rendre, ça peut donner un style très sympa. Ça, sur les murs. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on le mettrait pas par là? Ouais. Ici, j'aime bien, comme ça. Ah, c'est sympa, ça vient avec écologie. Et ça donne un petit côté sympa. Alors, ça dépend quelle couleur on met. Peut-être celle-ci de couleur. Ouais, je valide. Comment s'appelle le patron de YouTube? J'en ai aucune idée, Aurélie. Tu penses terminer quand le sang, baby? Je pense terminer pour décembre. J'espère avoir fini avant 2023. Genre, vraiment, c'est un de mes goals, les gens. De finir avant 2023, sinon je vais être trop triste. Je veux vraiment finir avant 2023. Alors, au-dessus du bureau, on va mettre des petites babioles. On est à 32 900, ça va, on a encore un peu d'argent. Je vais peut-être mettre des petits ustensiles, des petits trucs. Du sopalin, on est à 33 000. Une corbeille de fruits, pourquoi pas, on est à 33 000 encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux mettre Une petite plante dans l'entrée, ça peut être sympa. Peut-être pas celle-là, elle n'est pas non plus incroyable. Qu'est-ce qu'on a comme plante qui peut être jolie dans l'entrée? Après, ça va vite coûter cher. Non, ça me convient pas. Je suis pas d'accord. On peut la caler là, au pire, la plante. Juste là, là. Hop. Ok. Ok. On est à 33 000, ça va pour l'instant. Le gage, on n'est pas encore à 500 votes, les gens. C'est en deux parties, c'est-à-dire, Loulou. On finit là, on a bientôt fini la rénovation, après on fait autre chose. C'est bientôt fini, donc oui, ce sera en deux parties. Mais laisse-nous finir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre sur les murs qui pourrait être sympathique? Ça, c'est trop cool, ça. Ouais, ça rend bien. Là, ici, on peut se mettre quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'on va se mettre? J'en ai aucune idée par contre. Ah, on peut peut-être se mettre une activité, on n'a pas pensé. Activité, chevalet et tout, ça pourrait être sympa. Un petit chevalet là. Moi je dis pourquoi pas. Quoique non. Ici c'est bizarre, ça dérange. Peut-être ici. Voilà, dans le couloir. Là ça passe. Un autre tableau peut-être par là-bas. Un tableau ici. Est-ce qu'on a des tableaux sympas? Mini maison, oui, on a des tableaux sympas. Et là je mets mon tableau bougie. Il est où mon tableau bougie? Il est là, il est trop beau mon tableau bougie. On est à 33 000, on a encore un petit peu. Ça va, je vais pouvoir mettre peut-être des petites babioles. Voilà, toujours 33 000, ça coûte pas trop cher. Qu'est-ce que je peux mettre? Des petits livres. Ouais, 34 000, ça commence à augmenter. Là, on n'a pas la place pour ça. Donc là, techniquement, il resterait la chambre. Et la chambre, on n'a aucune table de chevet. Ce serait bien qu'on ait une table de chevet, je pense quand même, pour la chambre. Mais il nous faudrait un tout petit truc. Une toute petite table de chevet. Ouais, non, mais elle rentre pas vraiment, les tables de chevet, là. Ou alors, je la rétrécis comme ça. Et je peux en mettre deux, en soi. Comme ça. Voilà. On peut mettre un tapis aussi, techniquement. Hop. C'est bon, il y a 500? Ok. Pour la fin, je suis en caméra Sims 4. C'est parti. Caméra Sims 4! Oh punaise, ça me déboute déjà. Bon. Faut que je me mette en T comme ça. Oh là là, c'est horrible, j'aime pas. Vous me faites subir des choses, les gens. Ce tapis... Ah! C'est vrai que c'est la caméra Sims 4. Ce tapis-là, why not? Non, 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 non. Not, not. Est-ce qu'on a autre chose de mieux? Ça, c'est trop grand. Non, et ça. Mais dans un autre sens, comme ça, peut-être. Ouais. Est-ce qu'on a des coloris qui nous plaisent? Ouais. Vous pouvez arrêter de gueuler les voisins, c'est possible ou pas? Genre arrête de gueuler sur ton fils! Punaise! Si ça commence à me saouler là!
Genre vraiment, ça me tend. Oh, c'est tous les matins comme ça, depuis 7h du matin, tous les matins, tous les jours, tout le temps. Là, on est dimanche 18h, j'en peux plus. Entre la musique à fond, entre gueuler sur leur gamin. Non, mais je vous jure, je n'en peux plus. Non, il n'y a pas encore de mot interdit, parce que je suis en train de faire le gage, là. Je suis en train de faire le gage. C'est... Ouais, non, mais la cam Sims 4, on est d'accord, c'est trop dur. C'est trop dur. Par contre, vraiment, les voisins, ils vont se calmer, ils sont en train de me gaver, là. Je suis désolée, je suis pas patiente, genre, enfin, je suis pas patiente, je suis patiente, hein. Mais là, vous vous rendez pas compte. Moi, je souffre beaucoup, là. Là, vraiment, les voisins, j'en peux plus. Ils me sortent par tous les trous, genre, vraiment. Il nous reste 600, un peu moins de 600. Est-ce qu'on peut se remettre un tableau ou un truc sympa? Parce que, vraiment, il y a des familles nombreuses dans mon immeuble, dans des apparts qui sont assez petits. Et franchement, enfin, je les entends tout le temps surler dessus. C'est horrible. Je me dis, mais... Ouf. Vivez dans le calme, dans la paix, je sais pas moi, criez pas, c'est bien de pas crier. Merci beaucoup pour le follow, ah non, merci beaucoup Olivia pour ton abonnement payant, merci beaucoup d'être devenue membre Olivia, ça fait trop plaisir. Donc maintenant tu as accès à des emojis que j'ai dessinés moi-même que tu peux mettre en commentaire sous les vidéos et sous les lives. Tu as aussi accès à un badge qui s'affiche à côté de ton pseudo qui va évoluer en fonction du temps que tu es membre. Et tu as accès à des informations en avant-première dans l'onglet communauté de la chaîne, merci beaucoup. Moi c'est la caméra Sims 3 que je trouve trop compliquée, je suis bizarre. Non mais c'est parce que t'as pas connu les Sims 3, c'est pour ça. J'adore la peluche derrière toi. Je te l'avais déjà dit Zazanounette sur AliExpress. Merci Cyril, c'est gentil. Juste, c'est à quelle heure le live du mardi et le live pour gagner les packs? C'est le même live, c'est le mardi et pour gagner les packs c'est la même chose et ce sera normalement à 18h45. Je vous donnerai une information demain. Merci beaucoup. Sekoura pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Tard, les voisins, oh, j'en peux plus. Pff, ils respectent rien, je vous promets. Normalement, il y a des horaires pour faire des travaux, etc. Moi, j'ai mes voisins, ils respectent pas du tout les horaires, rien à faire. Des fois, tu les entends à 21h, 22h, ils font des coups de marteau. Tu te dis, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Des coups de marteau. Bref. Et en vrai, je pense qu'on peut mettre peut-être ça. Oh, j'en ai marre de la caméra, Sims 4, punaise. Pour donner un style. Hop. Non, allez, la caméra, là. Oh, je la déteste, cette caméra. Allez! J'en peux plus! Voilà. Et là, ça donne un petit style dans la chambre. Je valide. Par contre, ça m'a enlevé tous les packs que j'avais sélectionnés. Ce qui est très agaçant. Mais je pense qu'on va rester là, puisque comme ça, on est juste en dessous de 35 000. Je vais me remettre en caméra Sims 3. On a terminé, les gens. On a terminé. Donc, regardons. Alors, l'extérieur, j'ai pas eu le droit de le toucher. Donc, voici à quoi ça ressemble de l'extérieur. Le petit mobilhome, il est très cosy. Il est très sympathique. À l'intérieur, on arrive directement face à une jolie petite cuisine. Ici, on a une petite entrée quand même qui est cosy. Un coin salon, une salle de bain avec douche et toilette. Et ici, une chambre avec la commode juste là. Et bah écoutez, je trouve ça plutôt sympa. Je vais la partager. Je vais la partager dans la galerie. Alors attendez. Je sais même plus comment je faisais moi dans ma galerie. Donc, conjureuse, on va se connecter. C'est trop beau. Ah bah je suis contente, ça vous plaît. On a tenté de faire au mieux. Il y a encore le bot. Mes modos, n'hésitez pas à bloquer le bot si jamais il n'a pas été fait. Je t'ai envoyé la bande-annonce de la série spin-off de Petite Liars. Ok, bon, on verra. Enfin, je regarderai plutôt. Salut, conju, tu te souviens de moi? Oui, coucou Yanis. Alors, donc, dans mon catalogue, les Je Rénove vos maisons. Donc là, c'est Je Rénove vos maisons combien? Donc c'est Je Rénove vos maisons 12. Ok, et ben écoutez... On va faire ça, hop là. Je vais vous la partager. Merci beaucoup pour les follow. Merci. Ah, c'était même pas un follow, merci Kelly pour tes 2 euros, ça fait trop plaisir. Salut toi, coucou Kelly, merci beaucoup. Merci, merci. On fait un mot interdit après, d'abord je partage la maison, d'accord? Et après on va faire un mot interdit. Il y a pas de concierge dans mon immeuble. Et... Enfin, c'est compliqué. Voici la 12e rénovation de ma série de vidéos Je Rénove vos maisons. La rediff est en ligne sur ma chaîne. À vous de jouer, me craint des maisons à rénover. Voilà, alors on a une chambre, on a une salle de bain. Et ça s'appelle Je Rénove vos maisons 12. Hop là! Et je vais la partager. Ah, c'est dommage qu'il y ait le petit onglet CC.
C'est à cause du miroir. Je la partage dans la galerie. Allez hop. Et on va faire autre chose maintenant pour la suite du live. Donc, je mets sur gérer les mondes. Et dites-moi ce que vous avez envie qu'on fasse pour la suite du live. Merci beaucoup. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse le Legacy? Vous voulez qu'on fasse le Perfect Life? Vous voulez qu'on fasse un Ugly to Beauty? Vous voulez qu'on fasse, je sais pas, une réno? Vous voulez qu'on fasse quoi? Enfin là, vu qu'on a déjà rénové, c'est bien qu'on fasse peut-être un peu de gameplay pour les personnes qui avaient envie de faire du gameplay. Alors, Legacy, on fait quoi? Donc vous m'avez dit Legacy, vous m'avez dit Ugly to Beauty. To Beauty, j'aime beaucoup les Ugly to Beauty en vrai, ça me détend. Perfect Life et Maison Barbie. C'est vrai qu'on l'avait pas du tout fini, mais je sais même plus sur quelle partie elle est les gens. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Oh, j'ai chaud tout d'un coup. Ouh, mon dieu. Bouffée de chaleur, je suis vieille avant l'âge. J'ai déjà la ménopause. Harley Quinn dans les Sims. Je l'ai jamais créé, Harley Quinn. Une pièce aléatoire, Harry Potter. Ah, c'est vrai qu'Harry Potter, ça pourrait être sympa. Avant de commencer le live, est-ce que tu peux me dire si ma... Quoi ? Ma chaîne, je dois la mettre en privé ou en public ? Bah, moi, c'est en public, ma chaîne. J'ai pas compris ta question. Créer les personnages d'Harry Potter. Oh, j'ai pas mis ça dans le sondage, je suis désolée. Je suis contente, je pensais que t'allais m'oublier vu qu'il y a beaucoup de monde. Bah, je reconnais certains pseudos quand vous étiez souvent là, hein. Je reconnais certains pseudos, donc t'inquiète, j'ai reconnu Yanis. Il se passe quoi avec la série Pretty Little Liars? J'en ai aucune idée, Sarah. Il paraît qu'il va y avoir un spin-off, enfin une suite en fait. Donc voilà. C'est tout ce que je sais. Tu vas à la Paris Games Week? Je n'y suis jamais allée de ma vie à la Paris Games Week. Par contre, j'irai à la Japan Touch. Voilà. Donc on pourra se croiser là-bas si jamais vous y êtes. Enfin, j'irai, mais ça dépend si Covid ne repart pas en live. Par contre, leur truc de Tinder, là, il me fatigue. Hein. Ouais, je viens d'enlever le bot. Je viens d'enlever le bot, merci. Alors, c'est le Ugly to Beauty qui gagne pour l'instant? Ah, ça me tente trop! J'adore les Ugly to Beauty, les gens. Moi, ça me tente de ouf. Ça vous va? Salut, Angéline, comment tu vas? Franchement, ça me tente de ouf, le Ugly to Beauty. Alors, écoutez, si on fait un Ugly to Beauty, on va aller ici, dans le Créer un Sims. On va aller regarder un petit peu des petits Ugly to Beauty. Alors, est-ce que c'était UTB ou Ugly to Beauty? Hashtag. Je crois qu'on mettait pas de hashtag, on mettait le nom de l'élément et on mettait Ugly to Beauty. Ugly, ça s'écrit comme ça, non? Ugly to Beauty. Mais vous savez écrire Beauty? Voilà, c'est comme ça, merci. Et on met en foyer. Et plus populaire. Et on va en prendre un dur à faire. Ça pourrait être sympa. Oh, c'est long à charger, oh, j'ai la fibre, dépêche-toi. J'adore ce que tu fais, merci beaucoup. Nouvelle partie Riverdale. Oh, Kelly, merci pour tes 5€. Quel est ton meilleur pack? Que penses-tu de Loup-Garou sans les sorciers? Ton prochain challenge? Alors, le meilleur pack selon moi, j'en aime beaucoup. Mais je pense que... Ah punaise, j'adore la map d'écologie, genre vraiment, j'adore écologie. J'hésite entre écologie et escapade enneigée, entre les deux. Et j'aime beaucoup Loup-Garou, j'ai fait un display dessus, franchement c'était super cool. J'ai bien aimé, un petit peu redondant quand même. À la fin, je trouvais que c'était un peu redondant, mais c'était quand même une belle avancée niveau gameplay. Alors quand tu dis sans les sorciers, bah les loups-garous n'ont aucun rapport avec les sorciers, donc c'est un peu dommage. Moi j'adore le pack sorcier, d'ailleurs j'ai envie de jouer un petit peu avec les sorciers en ce moment. Et mon prochain challenge, je sais pas encore. Je sais pas encore, parce qu'en fait après le sans baby, j'hésite à faire un autre Soberry challenge, à faire le Killer Celebrity challenge, ou à faire totalement autre chose, peut-être un let's play narratif et tout, je sais pas encore vraiment. Là, je me laisse porter. Je prévois pas trop longtemps à l'avance, donc on verra. On verra, on verra. Mais merci beaucoup pour tes 5€, ça me fait trop plaisir. Ton live se termine à quelle heure? Car il faut que j'aille me doucher. Ça se termine à 19h. Alors, Ugly to Beauty, c'est un challenge, en fait, où on doit rendre un Sims au trait inhumain, au trait extraterrestre, en humain, sans utiliser les presets, mais uniquement en utilisant la molette de ta souris. Et bah écoutez, c'est ça qui gagne à 41%, donc on va partir sur ça, un petit... Ugly to Beauty. Donc, on veut prendre plus populaire. On va prendre un truc de ouf. C'est vous qui choisissez, hein. Qui est-ce qu'on va prendre? Celui-là, on l'avait déjà fait. Celui-là aussi, celui-là aussi. Est-ce qu'il y en a qu'on n'a pas encore fait? Lui, on l'a fait, celui-là, je crois.
Lui, on l'a fait aussi, non? Je sais plus lesquels on a fait. On en a tellement fait, les gens. On a fait beaucoup trop. C'est nul car on fait jamais le legacy. Bah, je suis désolée, mais je dois suivre le vote. Prochaine fois, je mets le legacy en premier. On essaye d'y aller, d'accord? Ça fait longtemps. Oh là! Oh là! Celle-là, elle me fait bien rire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous... Comment on dit? Qui vous interpelle un peu? Un homme? Ah oui, on pourrait faire un homme, mais est-ce qu'il y en a beaucoup des hommes? J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'hommes. On peut pas choisir le sexe? Non, on peut pas. Oula, j'ai un peu mal au dos, je vous avoue. Alors... On n'a pas d'hommes, là, je crois. Hein. Je crois que c'est que des femmes à chaque fois. Hein. C'est que des femmes. Oh là là, mais c'est quoi, ça? Attendez. Je sais pas ce que c'est, ce truc. Robe noire. La rouge, robe noire. Bon, là, ça charge. Excusez-moi. Je suis fatiguée, là. Je commence à fatiguer. C'est la fin du live, c'est pour ça. Celle avec la peau rouge. Merci, Maïssa. Celui de Ananas Muffin. Bon, je sais pas pourquoi le jeu, il lag. Ok. Regardez, celui-ci est complètement loufoque. Celui-là, il me fait bien rire. Alors, vous m'avez dit la peau rouge. C'est ça? C'est celui-ci? C'est ça que vous voulez? La peau rouge? Ou c'est pas celui-ci? Demain, j'ai sport au secours. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me manque, le sport, franchement. Quand t'avais des heures de sport à l'école, au collège, au lycée, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça fait du bien à la santé, quoi. Parce que quand tu taffes H24 et que t'as toute ta vie à t'occuper, le ménage, les courses, le ci, le là, t'as plus des fois le temps d'aller au sport. Alors que là, t'avais des cours obligatoires de sport, c'était génial. Ça me manque, ça me manque. Non, en vrai, là, faut que j'aille à la salle de sport. Oui, 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 oui. Ok, ça vous tente? Bah allez, on part sur celle-là. C'est parti. Je pense qu'on va, on va rigoler. Ah ouais, est-ce qu'on quand même on change la couleur de peau? Oh là 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 là. Oh là là. Si on lui met une couleur de peau normale, pas rouge quoi. Ok. On part donc sur ça. Alors déjà, je vais essayer de retravailler un peu le corps. Wow, les tatouages. Est-ce qu'on peut faire en genre où on supprime tous les tatouages ou pas? Attends, mais y a un truc bizarre un peu, non? Ah, mais c'est une mamie! Oh non, on fait une mamie! Oh, c'est génial! On est en train de faire une mamie! Je savais pas, regardez les gens! C'est une mamie! C'est trop bien! Conjugué en dépression, non mais complètement, hein. Complètement, complètement, là. Alors, attendez, parce que là, hop, on est en train de faire une mamie. C'est génial! Attends, on n'a pas fait de mamie depuis tellement... Enfin, je crois qu'on n'a jamais fait de mamie, en vrai. Attends, il s'est passé quoi avec sa tête, là? Oh là 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 là! Ah oui, non, mais là, la mamie... oh, punaise! La pupille, on grossit. Alors, c'est une mamie qu'on est en train de faire, les gens! C'est génial! Oh, sérieux, Pélo, arrête de gueuler sur ton gamin! Oh, regardez-vous un match de foot ensemble ou un dessin animé, je sais pas. J'en peux plus de mes voisins, les gens. Je vais saturer, vraiment. Salut, Elisabeth, comment tu vas? La villa, c'est pas encore prévu pour l'instant. Je vais éternuer. Excusez-moi. Go faire une mamie roqueuse. Ouais, ok, on garde les tatouages. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Donc, on est sur une mamie. Ah, c'est cool en vrai. Ça change de d'habitude. Mamie. Ma mamie asiatique. Asiatique, mais avec des lèvres... comment dire? Des lèvres un peu... très, très charnues, quoi. Très, très pulpeuses. Ouais. Alors, attendez, je vais essayer de retravailler le nez un petit peu. Okay. On retravaille un petit peu ça. Ma foi, de base, il est déjà pas mal. Hein. Alors, on veut une coupe de cheveux pour la mamie. Non mais j'adore. Peut-être que le visage est trop long, peut-être. Ah, franchement, j'en peux plus des voisins.
Vous, vous les entendez pas. Je pense que mon micro, il est assez bon pour pas que vous entendiez. Mais là, il est en train d'hurler, d'insulter son gosse. J'en peux plus, quoi. Vraiment. Oh, respecte ton enfant. Je sais pas, les insultes. On entend tout, hein. Moi, j'entends tout, en tout cas. Tout ce qu'ils disent, j'entends tout. On lui ferait quoi comme coupe de cheveux? Ah oui, mamie roqueuse, vous voulez? Des lèvres pulpeuses. Réduire les épaules. Oui, je pense. On peut un peu réduire un peu. Voilà. Une petite mamie roqueuse. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, il lui faut peut-être des sourcils aussi, non? Parce que là, on n'a pas de sourcils pour l'instant. Ah oui, ça va aider un peu déjà. Si on a des sourcils, ce sera peut-être un peu mieux. Alors, un petit peu... Quand même, les sourcils, on se calme. Hein. Ils sont beaux, ces sourcils-là. Ouais, ceux-là, c'est sympa. Bon, la coupe de cheveux, par contre, c'est vraiment pas incroyable. Enfin, cette coupe-là, je trouve. Hop là. Oh là là, il y a les motos et tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme coupe de cheveux à une mamie? À quand une vidéo CC? Eh ben, comme je télécharge pas beaucoup de CC, j'avoue que j'y pense pas forcément. Mais il faudrait. Ça serait sympa. Mamie roqueuse, on a dit. Bah, elle peut avoir la coupe de cheveux comme ça aussi, non? Là, on est pas mal, non? Bon, c'est une mamie, donc forcément, on va lui laisser ses rides quand même. En détail de peau. Ah, mais attendez, j'ai un détail de peau pour les mamies. C'est lequel? Ouais, c'est celui-là, je crois. Oui, ça fait très mamie, ça. Voilà. Ça fait mamie, mais sympa, tu vois. Chill. Un peu de... On peut lui mettre des cils. Ah non, ça lui a enlevé son détail de peau. On va lui mettre des cils, mais ici. Ça lui a encore enlevé son détail de peau? Oh, c'est relou, ça. Ils sont où, les cils? Là. Mais on lui en met des légers. Oh, bah, si on enlève des détails de peau. Je vais mettre des cils un peu légers, peut-être en marron. Pour les mamies, un peu légers. Oh, mais ils se voient mal, celui-là, dis donc. Ouais, un truc comme ça. Les cils de mamie, quoi. Ouais, moi aussi. Les yeux, peut-être... Ah ouais, peut-être un peu rapprochés. Peut-être un peu même plus grands, les yeux, non? Ils sont peut-être trop petits, les yeux. Ah! Ah, oh, c'est dur, hein. C'est dur d'avoir la molette là où on veut. Ah, voilà! Ah, là, c'est commencé à être déjà pas mal, non? Qu'est-ce qu'il apporte le pack Vivre Ensemble? Bah, j'ai fait une vidéo où je parlais du pack Vivre Ensemble et tu peux trouver toutes les informations sur internet. Tu vois tous les objets qu'il apporte, tout le cus qu'il apporte, la map. La map est super et en plus, je joue avec le pack Vivre Ensemble pour mon Let's Play Little Valley. Voilà. On dirait un poisson. Sa bouche? C'est trop gros la bouche? Mais c'est Mamaï que tu crées? Je sais pas du tout c'est qui Mamaï. Ouais, elle est mignonne en vrai. Coucou Mouna, on est en train de faire une mamie. Une petite mamie. Hop là. En vrai, elle est cute. Hop là. Oh là là. Comme ça. J'aime bien, moi. Je la trouve vraiment belle, là. Hein. Franchement. Après, peut-être que la mâchoire, faut la... Ah oui, voilà, c'est peut-être ça qu'il fallait faire. Voilà. Pour que le côté soit plus joli. Voilà. Eh, franchement, elle est cherbée, notre mamie. J'adore. On a dit mamie roqueuse. Ah, mais les anneaux, ils bug. Ils rentrent pas bien. Oh, c'est dommage. Et là, ici... Ouais, non, ça marche pas. Je vais peut-être mettre ça. Je sais pas si ça fait très rocker, mais... On a dit mamie roqueuse. Ça... Mais non, mais regardez, ça marche pas. C'est jamais adapté avec les sourcils. C'est relou, franchement c'est relou. Au niveau des boucles d'oreilles, on a dit rock. Mamie roqueuse. C'est quoi rock? Bon, moi je mettrais des boucles d'oreilles basiques en vrai. Je sais pas ce que c'est rock pour vous comme boucles d'oreilles. Merci beaucoup pour le follow. Amy, bienvenue sur la chaîne. Merci de nous avoir rejoints. Oh là là, Tinder, là j'en peux plus. C'est quoi ce compte chelou là? Je te bloque, tu es masqué, tu es tout. Tu peux pas bloquer... comment dire? Anto, tu peux que supprimer? Ouais, on va lui mettre un rouge à lèvres. Ouais, t'as raison, carrément. Carrément. Elle fait trop roqueuse. Ouais, franchement, ça va, sa tête, c'est pas mal, hein. Elle fait roqueuse de ouf, ça va, c'est cool. Je me suis abonnée, merci beaucoup Mélissande pour le follow. Bah, niveau boucle d'oreille, par contre, j'ai pas trop d'idées. Un truc qui fasse rocker, genre. Oh, peut-être ça. Oh, c'est vieux, ça, dis donc. C'est truc du jeu de base, les gens.
Non, ça fait pas très rocker ce truc là. Pas ouf. Je pense qu'on partira plutôt sur du rouge à lèvres. Hein. Et du maquillage, un peu make-up. Ouais, bon, un make-up rock. Ah oh, oui, ça c'est des nouveaux CC que je viens de DL. Oh là là, c'est beau. Je les regarde avec vous. C'est de Twisted Cat, je les ai DL hier. Oh là là, il y a des belles couleurs. Hein. Mmh. Oh, c'est trop sympa. C'est trop sympa. Alors en mode rock. Bah, attendez, j'ai DL plein de trucs de Twisted Cat moi. On a ça, on a celui-là, on a celui-là. Oh, mais ça lui fait un de ses regards charbonneux. Bah, bah, bah. Et les canons. Eyeliner. Eyeliner. On veut un eyeliner. On lui fait un eyeliner épais. On fait quoi? Ouais. Oh là là, Twisted Cat aussi, ça. Ouais, ça lui va pas très bien sur elle parce que ses yeux, ils sont un peu tombants. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. J'ai celui-là. Oh! Oh! Oh, vous avez vu les gens? Et vous aimez ou pas? Et je kiffe! Vous voulez un mot interdit pour finir ce live? Ok, allez, donnez-moi un mot interdit. Mot interdit. Donnez-moi. Bon, je parie que vous allez me dire que genre rocker, rockeuse, en mot interdit. La mamie... Non mais grave, mais elle est haut, elle est chère... Wouhou, caliente! Mot interdit rock, ok. Mot interdit mamie, ok. Mot interdit pipou, ok. Mot interdit belle, ok. Allez, je vous laisse voter, choisissez pour quel mot interdit on part. Bah finalement, je me dis que son nez là, son accessoire, il peut être peut-être noir. Ouais. Rouge à lèvres. Attendez. Déjà, on va lui mettre du blush. Oh oui, yeah, il est beau ce blush en plus. Il est sympa. Hein. Un peu foncé comme ça. Ouais. Et là, on va lui mettre un rouge à lèvres. Oh. Attendez, on va trouver un rouge à lèvres qui lui aille bien. Un peu en mode dark, mais pas trop. Ah, je sais pas. Ah, j'ai un rouge à lèvres de Twisted Cat que je peux essayer. Ah non, ça fait pas trop sur elle. Ah, oh, ça fait rock, ça. Ça fait très rock, ça. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Il lui faut des boucles d'oreilles. Il faut qu'on trouve des boucles d'oreilles, là. Il faut qu'on trouve des boucles d'oreilles. Est-ce que ça fait rock, ça, pour vous? Moi, je trouve pas que ça fasse rock, non. Je sais pas trop ce qui fait rock, hein. Je suis pas une pro de la rock attitude. Je suis vraiment pas une pro. Une plume. Ouais, je sais pas si les plumes, ça fait vraiment rock. Coucou, vous faites quoi? On est en train de faire un Ugly to Beauty. Et franchement, on est pas mal du tout, hein. Juste un côté. Ça peut être sympa, là. Juste ça, une boucle d'oreille d'un côté. C'est pas mal. Oh, je kiffe. Il nous faudrait un petit collier. Un collier en mode rock. Alors, qu'est-ce qu'on a en mode rock? Pas grand chose, non? Je sais pas trop ce qui fait rock là. Ah, ça? Ouais. Mais là, la pierre, elle est rouge, on dirait. C'est bizarre. Alors que là, elle paraît blanche. Ça fait rock ou pas? Ouais. Ça, je sais pas si ça fait rock ou plutôt gothique que rock. Hein. Je suis pas sûre que ça fasse rock, vous voyez ce que je veux dire? Ça, par contre, ça peut faire un peu rock, genre. En noir, là, comme ça. Ouais, je sais pas. Avec une petite pierre. Tu utilises quelle caméra? Ma webcam? C'est écrit en bas d'information. C'est la Logitech C922, je crois, Pro. Alors, c'est quoi le mot interdit? Il y a 235 votes. On est plus de 560 sur le live. Je vous laisse au moins voter jusqu'à 300. Pour l'instant, c'est mamie qui gagne. Ok. Oui, laisse le collier. Si, c'était rock pour vous? Ah bah, si vous voulez, on remet. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est parti pour les vêtements. Go. Alors, au niveau d'un haut, on va lui faire une tenue, on a dit une tenue rock. Rock and roll. Alors, qu'est-ce qu'on a qui fasse rock and roll pour une mamie? Bah, j'ai du mal à trouver. Ça fait pas très rock and roll, ça. Qu'est-ce qu'on a qui fasse rock and roll? Ça, ouais, bon, ça fait un peu motard, genre ça. Je sais pas si ça fait rock and roll, ça. Ça fait pas plus motard. Qu'est-ce qu'on a qui fasse rock and roll? Après, c'est vrai que souvent,
quand t'as une veste blanche, ça marche bien en général. Enfin non, un perfecto comme ça. C'est vrai que ça fait un peu rock, je trouve, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un peu rock. Après, il lui faudrait un pantalon déchiré ou avec des chaînes. Un truc avec des chaînes. Est-ce que j'ai ça? Bon, ça, non, ça lui va pas. Est-ce que j'ai un truc avec des chaînes? Je pense que oui. Hein. Oh là, j'ai mal au dos. Le live va pas tenir longtemps. Là, après elle, on va arrêter parce que j'ai super mal au dos. Qu'est-ce qu'on a de rock? Non, c'est pas très rock, ça. Je sais pas. Il y a assez ou pas de votes? Allez, bon. À partir de maintenant, je n'ai plus le droit de dire le mot mamie. Si je le dis, j'aurai un gâche. Voilà, à partir de maintenant. Tu feras une vidéo sur les Sims 5 mardi? Bah non, parce que mardi... Alors déjà, il n'y a pas de vidéo mardi, il y a un live mardi. Je ne sors jamais de vidéo le mardi. Et les Sims 5 ne sont pas encore sortis, donc je ne vais pas encore faire de vidéo dessus. Quand en fait, nous, on aura les Sims 5, les Game Changers, normalement, on aura le jeu en avant-première pour pouvoir le tester, vous le présenter, etc. Faire la promotion du jeu, en gros, bah, bien sûr que je ferai plein de vidéos sur le jeu et j'ai beaucoup trop hâte, franchement. Mais je ne pense pas que les Sims 5 vont sortir avant 2024. Hein. Franchement, s'ils sortent en 2023, c'est un miracle. Mais moi, j'ai limite l'impression que les Sims 5 vont peut-être jamais sortir. Et qu'en fait, genre, les Sims 5, ça va être les Sims 4 multijoueurs. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Vous la trouvez belle? Ouais, franchement, j'aime bien aussi. Mais par contre, j'ai pas un truc qui fasse bien rock, là. J'ai pas le droit de dire que c'est une... sa tranche d'âge. Ah, j'ai ça. Je sais pas si ça fait très rock. En noir, peut-être. En jean, comme ça. Je sais pas si ça fait très rock, mais c'est parce qu'il y avait des chaînes. Mais je croyais en avoir un autre avec des chaînes, les gens. Je le retrouve pas. Là, il y a une chaîne, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Sinon, il y a lui, hein. Ah, je pensais en avoir un autre avec des chaînes. Je le trouve pas du tout. C'est dommage, ça. J'étais persuadée. Je vais pas y aller, excusez-moi. Je suis fatiguée. Oui, elle est pipou. Je dirais pas le mot interdit. Je vais tenir jusqu'à la fin du live, les gens. Non, c'est pas une jeune adulte. Elle a les cheveux gris. est-ce qu'on part sur ça ou pas pour le pantalon? Ouais. Bah, je vois pas quoi faire d'autre, en fait. Ah, mais j'ai pas une couleur qui passe mieux, genre... C'est bizarre, cette forme aussi, là. Oh là, non. Non, mais vraiment, là, je trouve pas de... Ah, ça. Oh, c'est pas beau sur elle, par contre. Après, on a celui-là, celui-là. Ouais. C'est un style un peu alpha. Sinon, on a ça. C'est pas ouf, hein. Bon, ça passe. Ok, maintenant, des chaussures de rocker. La pauvre, elle a mal au dos. Des sortes de baskets, un peu. J'ai l'impression que t'as des gros trucs comme ça, mais bon. Je les ai jamais mis, ces bottes. Ça vient avec Monde Magique, mais je les ai jamais mises, les gens. Est-ce que vous les avez déjà utilisées, vous? Pourtant, elles sont stylées, en vrai. En vrai, elles sont chères, stylées. Est-ce qu'on a une autre paire? Oui, elle est restée jeune, niveau look. Ça aurait été bien qu'elle soit habillée plus, vu que c'est toujours des... Ça aurait été changé complètement. Ben non, mais là, on a dit qu'on faisait une... J'ai pas le droit de dire sa tranche d'âge. Alors, rock, c'est parce qu'elle avait plein de tatouages, c'est ce qu'on a décidé, donc... c'est comme ça, c'est tout. Il y a ces chaussures-là. Ah, mais elles rentrent trop mal sur elle. Ça fait bizarre sur elle. Mais moi, je veux des bottines sympas, là. J'aime trop. Ça, peut-être. Mais il n'y a même pas un noir. Ah, oh, si, là, ça passe. Et peut-être des bracelets. Je sais pas si ça fait rock. Peut-être ça. Ça peut faire rock, ça, un peu. Ouais, sympa. Et du vernis à ongles noir. Ou des griffes comme ça. Et franchement, c'est pas mal. Non?
On est parti d'une base, les gens. Attendez, on va aller la récupérer. Oh non, mais alors là, pour la retrouver, la base. Mon Dieu. Tu peux dire grand-mère, non? Oui, c'est vrai, je peux dire grand-mère. Non, mais j'ai tellement l'habitude de l'autre mot que, voilà, ça venait pas. Il y a un pantalon noir, année lycée. Ah, j'ai pas pensé à le regarder. Alors, attendez, parce qu'il faut que je retrouve la base pour pouvoir vous la partager dans la galerie. Je vais pas retrouver la base, je le sens. Allez, s'il te plaît, charge! C'est quoi ce jeu de khla qui charge pas? Pantalon noir, année lycée. Vous voulez que je regarde? Ok, mais attendez, je vais juste la choper. Je vais juste la rechoper, la choper, et la mettre avec nous, la base. La base. Du. Ok, pas de soucis, Anto. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vais essayer de gérer la fin du live toute seule. Merci beaucoup. C'est dommage que mes autres modos ne soient pas dispo. Ils sont tous occupés. Coucou Farah, comment tu vas? Oui, grand-mère, c'est vrai. C'est vrai. Bon, par contre, je la retrouve pas, la base. La base qu'on avait. Les gens, je suis dégoûtée. Tu regardes ici, tout commence. Je sais pas ce que c'est, je regarde jamais la télé, en fait. Les gens, je retrouve pas la base! Non, je voulais vous la partager avec la base! C'était pas elle? Non. Oh, mes crottes alors! Mais je sais que c'était pas elle. Mais elle est où? Mais elle avait la peau rouge. Et là, on la voit plus. Elle avait la peau rouge et on n'est pas descendu si loin que ça. Elle est où? Ça me saoule! Je veux vous retrouver la base! Oh zut! Encore de retour pile quand il vient de partir? Ah punaise. Merci d'avoir été là, Anto. Je vais encore masquer l'utilisateur, je sais pas pourquoi. Cette personne est là. Merci, Anto. Tu sais, Conju, quand t'es allé au safari de Pogre, eh ben je suis trop content parce que c'était juste à côté de chez moi. Je sais pas si tu connais. Oui, le safari était super beau. Mais non, je connais pas Davézieux. Mais le safari était super cool. Bon, on va la retrouver, non? Ah, mais je voulais vous la partager avec la base. Les gens, mais rip, ça me saoule. Pourquoi les Sims, là? Elle avait un chapeau, ouais, et elle avait la peau rouge. C'est vrai, elle avait un chapeau. Non, mais là, le jeu, il veut pas nous aider, hein. Il y a un gamin. Ugly to Beauty, surprise. C'est un gamin, le Ugly to Beauty. Conju, tu manges quoi après? Eh ben, j'en ai aucune idée. Je vais me faire des gnocchis, je pense. Je vais faire un truc rapide, gnocchi. Oh, ça m'énerve! Je la trouve pas! Je veux trop vous la trouver pour la fin! Écoutez, attendez. Je vais mettre plus récent. Je vais remettre plus populaire et peut-être qu'on va la retrouver. T'es passé devant. Mais non, je peux pas passer devant, les gens. Je vous jure, je peux pas passer devant. Arrêtez. On fait quoi? On est en train de finir le Ugly to Beauty. C'est la fin du live aussi. Mais je cherche, ça me saoule. Bon. Rouge avec un chapeau. Rouge, la peau rouge avec un chapeau. On va la trouver. As-tu pensé à acheter la fibre? J'ai déjà la fibre. Là, si ça lague comme ça, c'est le jeu qui lague en fait. C'est le jeu, c'est ça qui est relou. J'ai la fibre. Elle est là! Oui! Victoire! Yes! C'est bon. Donc, on est passé de ça, les gens. Godness. À ça. On va juste changer aussi sa voix. Voilà. Et franchement, pas mal. Et pantalon, vous m'aviez dit année lycée. Bah, je vais mettre le pack. Année lycée. Ah, il y avait celui-ci qui faisait rocker. C'est vrai. C'était celui-là que vous parliez, je suppose. Ou celui-là. Je pense que c'était celui-là que vous parliez. Mais baggy sur elle, je sais pas, je trouve pas que ça rende super bien. Après, on peut peut-être mettre celui-là. En noir, comme ça. Oh non, je sais pas. Je suis pas fan. Celui-là. Ouais, oh, je suis pas fan, en fait. C'était celui-là que vous parliez, en pantalon rocker? Ouais, on l'a trouvé. Yes? Ok, bon, bah, c'était celui-là, ok, on va mettre celui-là. Coucou, vous faites quoi de beau aujourd'hui? Coucou, Geek Lily. On vient de finir à Ugly to Beauty. Et franchement, mais regardez-moi comment elle est badass. Elle est canon, comparée à avant. Non, mais avant, on était sur n'importe quoi. Oh, mais
Putain, j'adore. Eh ben, écoutez, je vais vous partager ça dans la galerie. Changez de photo, par contre, s'il vous plaît. Mais pouvez-vous pas faire des photos un peu mieux que ça? Ouais, bon, allez, si tu veux. Ugly to Beauty live. Donc. Ah non, allez, chope tout le texte, voilà. Hey, voici le Ugly to Beauty. Ugly, pas ugly. Ah, je sais pas écrire, hein. Ugly to Beauty qu'on a réalisé ensemble en live sur la chaîne YouTube. Hashtag conjureuse, hashtag UTB, hashtag YouTube, hashtag rock. Rock and roll. Ok, allez, je vous la partage. C'est bon, c'est partagé dans la galerie. Ok. Allez, on se remet en foule. Oh là là, il fait tout nuit dehors presque déjà. Comment vous allez? Vous avez passé un bon petit live avec moi, un bon petit moment? Et en jeune adulte, comment elle est? Ah! Vous voulez qu'on voit en jeune adulte à quoi elle ressemble? Ok, attendez, je remets vite fait. Je remets vite fait pour voir en jeune adulte à quoi elle ressemble. Bah, elle a toujours les marques sur le front et elle a les cheveux roses en jeune adulte. Ok, bon. Elle n'a pas beaucoup changé. C'est juste, ouais, ça s'est un peu affaissé, quoi. Ça va en vrai, franchement, ça va. Alors, c'est gentil, la mise du 003. Oui, c'était cool. Si, ça finit à 19h, mais enfin, un petit peu avant parce que j'ai très très mal au dos. Et là, je vais m'occuper de la redi, faire la miniature, etc. Et après, je vais aller manger. Mais ça m'a fait trop plaisir d'être avec vous parce que là, en fait, ça sert à rien qu'on recommence un truc pour 10 minutes de live. Je suis assez fatiguée. Salut du Canada! Oh, ça fait trop plaisir! J'aime trop tes lives des dimanches, je kiffe, j'adore, t'es une de mes préférées youtubeuses. Merci. Au revoir Clémence. Elle ne change pas beaucoup. Ouais, non, elle change pas beaucoup en vrai, Marine, t'as raison. Elle change pas du tout même. Elle est plus belle en mamie. Grave. T'as raison, Elodie. Elle est plus belle en mamie. Super live, merci beaucoup. Tu vas trop me manquer. On se retrouve demain à 17h. N'oubliez pas, demain 17h, un petit épisode du 100 Bibi Challenge. Je crois même que c'est pas un petit épisode, les gens. Attendez, 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 attendez. Les gens! Les gens, demain on déménage. Demain on déménage! Merci beaucoup, Émilie. Demain on déménage, les gens. Je sais pas pourquoi je me tiens comme ça. Est-ce que tu pourrais faire une maison avec un seul pack? Je crois que je l'ai déjà fait. Avec le jeu de base et un pack. Je l'ai fait pour île paradisiaque et je l'ai fait pour écologie. Oui, j'ai dit mamie, mais parce que c'est la fin du live. Oui, les gens, demain on déménage! Mais je sais que j'ai perdu, mais c'est la fin du live, c'est pas grave. Oui, on déménage dans le 100 Bibi Challenge, on déménage dans la maison d'Anna, oui! Oh, j'ai trop hâte, franchement, genre, j'ai trop hâte que vous voyez. J'ai fait quelques modifs, mais pas trop, mais on retourne dans la maison d'Anna, c'est trop cool. T'es en train de regarder Riverdale? J'ai fini, moi, toutes les saisons. Non, pas de gage, là, je suis trop fatiguée, j'ai vraiment très très mal au dos, faut que j'arrête le live. Ah oh non, t'es arrivée en retard, c'est pas grave, il y a le rediff, elle va arriver. À bientôt! Oui, alors Saïdine, malheureusement, ça n'arrête pas de se réouvrir, de saigner, de se réouvrir, de saigner sa patte. Mais ça cicatrise petit à petit. Le problème, en fait, c'est que les chats, ils se lèchent, les chats, ils vont dans la litière et ils se font mal, en fait. Et à chaque fois, ça se réouvre. Mais à chaque fois, je désinfecte, à chaque fois, je mets de la crème, donc ça devrait aller. Oui, c'est trop cool, on va déménager! Oui! Bah, en fait, j'avais envie de finir le challenge en retournant à mon Komorebi parce que je commençais à me lasser un peu du sang bébé. Et en fait, de retourner dans la maison des Tanaka au mon Komorebi, bah, ça m'a reboosté un petit peu. Alors j'ai joué énormément Animal Crossing, j'ai joué presque 1000 heures, mais là en ce moment j'y joue plus, j'avoue. Tu peux parler avec ta voix de bébé? Pascaline, je suis trop fatiguée, tu veux que je parle avec ma voix de bébé? Allez, je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain à 17h. Merci beaucoup pour ce live, merci beaucoup d'avoir été là, ça m'a fait trop 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 plaisir. Et franchement, n'oubliez pas, demain il y a une vidéo à 17h. Mardi, on se retrouve en live vers 18h45, il y aura des packs à gagner. Oui, des packs à gagner. Donc n'hésitez vraiment pas à venir si vous avez le temps et tout pour pouvoir participer, etc. Parce que ça me fait trop plaisir de pouvoir vous faire gagner des packs. Et je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Mangez bien, bon appétit, petit cœur coréen. Au revoir, à demain.